Alors là, je vous mets en place la manière dont on va s'amuser à jouer. En fait, je suis en train de tout déplacer pour que vous ayez accès à ce qu'on va, à ce que je choisis comme perk. Donc des petits trucs qui sont. Et là, qu'on puisse voir la vie. Je ne devrais pas faire comme ça en fait. Ah non. Ah non, 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 non. Je pense que j'aurais pas dû faire ça comme ça. Bon, c'est pas grave. Là, normalement, ça devrait être bon. Mais je suis pas sûr. Pourquoi je suis pas sûr? Ouais, bon dimanche, Crinis, du coup, bon dimanche à toi. Si tu dois aller à la manif, va à la manif. Hein. Si tu dois faire autre chose, je profite. Et ouais, on fera un tour de l'actu. En fait, on fait toujours un tour de l'actu au début. C'est, je trouve, nécessaire. Moi, j'aime bien avoir un peu d'actu chaque jour. Donc, si vous trouvez que c'est intéressant et que pour un dimanche, il faut faire un petit topo avant le début de la semaine, c'est toujours le cool de le faire ensemble, quoi. Alors, est-ce que je vais être bien là? Je sais pas. On va devoir sans doute commencer à jouer et ensuite vous ouvrir. Je pense qu'on est bien, mais je suis pas sûr. On va voir. On va voir. Je ramène le jeu, je cache cette activer l'aperçu, je ne veux pas voir ma tête pendant que je joue pour aujourd'hui. En tout cas, je vais sans doute quitter. Hop. On va commencer à jouer. Est-ce que tout est bon pour vous? Je vérifie. Oui, ça a l'air d'être bien. Ok. En fait, je peux le faire. Je peux faire le double. Donc on va garder. Et oui, c'est bon. Tout est bon. J'ai bien placé. Peut-être qu'on va cacher un peu Jackie, mais c'est pas un problème. Enfin, pas pour le moment. De toute façon, je ferai la voix. Parce que je suis Jackie. Bien entendu. Est-ce qu'il y a besoin de laisser le son? Je suis pas sûr. On va peut-être cacher le son aussi. Le son, voilà. On va laisser le logo juste. On est en mode minimal. J'ai réussi en plus la dernière fois à faire des trucs vachement cool. Voilà. La manette fonctionne, tout est bon. Ok. Alors j'ai vu qu'il y avait eu une sortie en plus de. Comment ça s'appelle? Est-ce que vous entendez le son là, du jeu? J'ai l'impression que non. Attendez, pourquoi le jeu il a pas le son? Qu'est-ce qui se passe? J'ai caché. Ah oui, en cachant playlist, je cache le son du jeu. Ah oui, d'accord, ok. Donc on va laisser la playlist. En fait, il faudrait que je fasse ça. Attendez, je vais faire un truc. C'est juste que j'ai pas mis le. Voilà, je vais faire comme ça. Hop. Je vais faire hop. Scène, je vais rajouter le son. Parce qu'en fait, je crois que j'ai mon audio de base qui n'est. Que j'ai changé mes systèmes d'audio récemment, donc. C'est sans doute à cause de ça. J'ai caché le. Hop, et là, normalement, c'est bon. Là, normalement, vous entendez le son. Voilà, là, c'est bon. Ok, donc on est parti. Et on va essayer de faire le deuxième niveau, du coup. Parce qu'on était au deuxième niveau. Alors, oui, on a passé le deuxième niveau. On avait fait pas mal de trucs. On avait discuté avec un peu tout le monde, parce qu'il faut. Alors, je vous rappelle que c'est un jeu. Alors, j'ai vu, c'est un donjon crawler. Ils disent. Ça s'appelle un donjon crawler. Alors, non, tu vas pas. Voilà. Et du coup, le. Un donjon crawler, c'est juste, on va se balader dans des donjons. Il y a trois donjons, d'après ce que j'ai compris. Et il y a eu une extension qui est sortie qui s'appelle Working from Home et qui est de cette année. Le jeu est sorti en 2020, il me semble. Donc l'idée, c'était de se mettre à jour sur ça. Et donc, du coup, je cache totalement Jackie. Avec la caméra. Uniquement quand elle parle pas, donc c'est pas un problème, hein, je pense. Peut-être que je devrais le mettre plus bas. Je sais pas. Je vais essayer de voir un truc. On va essayer de voir, le déplacer. Je vais déplacer ma caméra. Et on va essayer en bas. Mais je crois qu'en bas, ça cache une des armes. Je vais le mettre là. Comme ça, c'est bien. Normalement, il y a trois petits points derrière moi qui sont mes trois armes possibles que je peux utiliser. Non, c'est vraiment. J'ai enregistré une conversation qui pourrait vous intéresser, on me dit Avi. Oh, alors maintenant tu crois que je veux espionner la vie privée des gens? Tu crois vraiment que je fais partie de ce genre de tordu? Alors oui, c'est basé sur c'est du sarcasme sur la start-up. Je suis stagiaire, rappelez-vous, je m'appelle Jackie.
Jackie est stagiaire ici pour pouvoir tuer des gobelins. Je suis pas sûr que ce soit très 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 stagiaire friendly. Je suis pas payé en plus, ce qui est abusé. Et tout le monde se fait un peu plus ou moins avoir par un boss qui se prend pour Elon Musk. Ou Elon Musk se prend pour ce boss. Steve Jobs ? Peut-être. Il y a un rapport entre Steve Jobs aussi et Wozniak avec. On l'a vu dans le Going Under 2, justement, qu'il y avait un problème entre l'artiste des saveurs et l'entrepreneur qu'est notre dirigeant officiel. Syndiquez-vous. Voilà. C'était juste une fois, enfin juste quelques fois pour rire. Je le ferai plus, c'est pas éthique. Compris. Suppression du fichier complot marv 068. Ouais. Non, attends, j'ai changé d'avis. Lance-le. Tous les préparatifs sont terminés, tout ce qu'il faut maintenant, c'est que la stagiaire me ramène les reliques. Mais on n'a pas le temps. Elle est vraiment utile. Pourquoi Avi ne pouvait pas nous trouver quelqu'un qui sait se battre? Elle est vraiment inutile. J'irai bien moi-même dans ce donjon, mais je n'ai pas le cran d'affronter ces monstres répugnants. Salut Mar, tu restes sacrément tard. Donc ça c'était Tapi. Tapi qui est la comptable. Qui est un peu cool, qui a été un peu moins cool la dernière fois, je crois. Oh, seul Tapi, j'étais juste en train de parler tout seul des trucs de gestion de projet. C'est une nouvelle stratégie de productivité, ça s'appelle l'auto-préanalyse, ok? Tu as entendu ce que je disais? Simple curiosité. Non, pas un mot, j'avais mes écouteurs AirCube sans fil dans les oreilles. On se demande de quoi il parle. Ah, un des meilleurs produits qui est Cubicle, tu l'as toujours aussi bon goût. Fin de la conversation. Bon, ça se confirme, magouille. Vraiment quelque chose. Et je compte bien découvrir tout ce qui se trame dans la semaine prochaine quand je serai moins débordé. remettre à la semaine prochaine. Bien entendu, la Startup Nation. Donc on avait récupéré ce petit truc là, qui est notre relique. Donc on peut la voir là. C'était un truc de. C'était une relique de café, je crois. Le mec était shooté au café. Comme ça, vous êtes venu l'idée de. Comment ça vous est venu l'idée de Fizzle? Content que tu le demandes, Rockstar. Tout a commencé quand je me suis dit, tiens, j'ai vraiment soif. Je boirais bien une petite eau pétillante. Faut que je m'entraîne sur la manière de parler parce que j'ai du mal. Et après, je me suis dit, ouais, mais j'ai faim aussi. Si seulement on avait un produit qui pouvait à la fois étancher ma soif et ma faim en même temps. Et c'est alors que j'ai payé à tout un tas de gens intelligents pour créer ce produit. Donc c'est clairement pas toi. Donc. C'est pas toi la working force, comme on dit. La force de travail, les ouvriers de ta boîte. Bonjour. Alors je te prendrai pas toi en tant que tuteur. Oui parce qu'on a le choix des tuteurs, on va regarder après. Pour l'instant on a notre dirigeant en tant que tuteur. Peut-être qu'on va changer. Parce que Marette est pas mal, on peut voler des choses avec lui. Tu veux savoir un secret? Alors lui il drague, c'est un harceleur. Pourquoi pas? Non, mon nom c'est pas vraiment Marais. Alors comment comment t'as eu sur son nom? C'est comme ça que je sentais au lycée. Ah oui, donc c'est vraiment Marais, ok. Oh, c'est super triste en fait. Rien n'est triste tant que t'en pleures pas, baby. Les marais puent la mort, mais abritent aussi toute une faune et une flore merveilleuse. Et c'est true, mais ça c'est archi vrai. Par contre, au niveau de bactéries, c'est un peu violent. C'est une jolie façon de voir les choses. Et du coup, c'est quoi ton vrai nom? Tu vas devoir attendre le prochain secret pour ça. Ok, donc casse-toi, hein, du coup. Il est lourd, lui. Hein. Bon, alors lui, c'est notre dirigeant des saveurs. Où est Tapi? Qu'on discute un peu de comptabilité avec elle. Tapi! Je suis jamais monté là-haut, on va aller voir ce qu'il y a. Peut-être qu'il y a des trucs. Ah, il y a un deuxième étage, ok. Je suppose que ça sera la fin. Hein. Ah oui, c'est là, je suis déjà passé par ici au final. Tapi, elle est où? Où est Tapi? Ah, il y a un. Bon, on va prendre ça. Un petit toboggan. Donc on pourrait acheter ça, je crois, oui. Il faut voir grand ou se faire petit. J'ai plus de dégâts avec les objets lourds. Bon, ça, je pense qu'on va l'acheter. Et nouvelle compétence, il faut voir grand ou se faire petit. On va voir Tapi, après je vous montre tout ce qu'on a à débloquer. Donc ça peut se retrouver dans les donjons maintenant que je les ai débloqués, je pense. Mais oui, Tapi. Bah. Alors bon, on va regarder du côté du coup de mon CV. Alors voilà, j'ai des cartes de visite. Donc je suis stagiaire marketing. Je ne suis jamais employé en tant que stagiaire marketing. Une jeune diplômée de l'université qui a hâte de faire ses premiers pas dans l'industrie de la publicité d'entreprise. Très content, oui, très content.
Ensuite, il y a notre chef de projet sympa du quartier. Il est prêt à faire n'importe quoi pour le bien de l'équipe. Ce qui est pas faux, mais qui est aussi un mec qui essaye de faire attention à la communication de son entreprise. Et donc, surtout, mais c'est vrai qu'il n'y a pas notre dev aussi. Donc ça, c'est le chien de la dev. C'est Bonne Fifi, qui est donc Éclair. Avec plus de 40 années canines d'expérience, Éclair est la principale experte de Fizzle en matière d'aboiement et de remuage de queue, avec un taux de retour de 100% sur les bâtons lancés. C'est un scandale qu'elle ne soit déjà pas à la tête de la boîte. Donc Tapi, c'est notre tuteur. On gagne plus d'argent au cours de votre exploration. Je croyais que c'était notre dirigeant, mais en fait, Tapi, on est du côté des comptables, voilà, actuellement. On est du coup avec Tapi, on est au niveau 2 parce que la dernière fois on a bien joué. Gagner plus d'argent au cours de votre exploration, demander une livraison sur le Primo Store. Donc en fait, c'est pour ça qu'on a pas mal de thunes. Et là que je remarque que la caméra cache définitivement bien le troisième onglet. Alors 2 minutes, je le remets un petit peu au-dessus. Peut-être que je vais pas rétrécir. On est déjà bien petit. Je vais me mettre là. Comme ça fait genre. L'anneau, voilà. Donc je peux changer de tuteur, hein. Donc par exemple là c'est Kara, c'est notre dev, utiliser deux appuis en même temps, et après j'ai un deuxième niveau. Fern nous permet des canettes fusées apparaissent dans le donjon, ça permet d'avoir des vies. Voler un objet, donc ça j'ai pas réussi, utiliser deux appuis en même temps. Bon, faudrait qu'on débloque un peu plus les compétences, mais je pense que c'est pas mal. Au niveau des tuteurs plutôt. Et donc les compétences, on a motivation extrême, bouger et attaquer plus vite, ça c'était vachement bien. Mais on a utilisé surtout infliger temporairement 2 fois plus de dégâts, ça c'était vachement bien aussi. Recevoir un réceptacle de cœur vide, ça c'est pas mal. Alors faut que j'utilise les trucs pour les valider. Donc là les seuls trucs que j'ai validés c'est motivation extrême et voilà. Donc ça c'est tout ce que j'ai débloqué pour que ça apparaisse dans les donjons. Ok, donc là par exemple on a toutes nos tâches. Donc là, faut que je batte 8 personnes à main nue. Et j'électrocute 5 ennemis. J'éteins 5 feux avec de l'eau. Bon, ça c'est un peu plus compliqué. Atteindre le dernier étage de Styx One. Donc, ça c'est le deuxième niveau, je crois. Le troisième, je sais plus. Faire griller un job witch. Donc, c'est un moyen de gagner de la vie. Faudrait que je le fasse brûler. 20 rendez-vous réussi. Comment je vais faire ça? Je sais pas. Ah oui, c'est avec l'application, j'imagine. Et du coup, on va à Winky Dink. Qui est apparemment l'appli de rencontre. Donc on va aller voir. C'était compliqué la dernière fois, mais on avait réussi grâce au sous-boss. La dernière fois, on avait réussi grâce au sous-boss parce que le sous-boss avait drop. Qu'est-ce qu'il avait drop? Il avait drop une basse, je crois. Changement de sujet. Affûtage des cornes. Alors, il n'y a que des bêtises écrites. Hein. Ne faites pas attention à ça, s'il vous plaît. Esquivage, ça m'a fait rire, l'esquivage. Et là, on n'a pas d'armes, on a que le basket. Oh, on va prendre le coussin. Corbeille à papier, c'est pas mal. On peut pas prendre la chaise de bureau. C'est hyper lourd. L'écran, peut-être. Non, c'est pareil, c'est trop lourd. On peut pas prendre les... Non. Bon, bah, c'est parti. Hein. On a que des trucs de lancer. C'est l'enfer. Ah, la corbeille, il a fait le travail. Je me rappelle plus comment on roll. Comment on roll déjà? Comment on roll? C'est pas ça? C'est pas ça? Ah, c'est... Ok. Ah, la main, elle est cool. Elle fait pas beaucoup de... Il a volé, là? Vas-y, tiens. À la main. Voilà. Des fragments de beauté éphémère. Intéressant. On va prendre le point. Et on va swipe les gens. L'éventail de combat. C'est pas mal aussi, l'éventail de combat. Alors, du coup, on a plusieurs salles. Donc là, on a la salle de compétences, normalement. Ah non, c'est là où je peux acheter des cartes de jeu. On va pas la prendre. Je sais pas exactement à quoi ça sert, en plus, ou pas. Là, il y a quelque chose, là, c'est pas mal. Oh, trop bien, j'adore cet objet, la main collante. On va l'utiliser. J'adore cet objet, c'était mon plus grand kiff quand j'étais petit. C'est toujours mon plus grand kiff, je pense. Alors, il y a un extincteur ici, je peux utiliser un extincteur. Ah bah, du coup, il faudrait que j'utilise l'extincteur, je pense. Il y a un extincteur là, mais je suis bien équipé en... Je suis bien équipé pour l'instant, donc... Et là, je peux acheter des applis.
Non, c'est des armes. Le gourdin à pointe, la masse de jobo, Styx bar. Ça me permet d'avoir des points. Là, c'est un moment de détente. Stylet, le stylet était pas mal. Et la stratocast, bon, ok, c'est pas mal. Donc là, en fait, il y a une double. Là, c'est intéressant, ça. Il y a une double, un double endroit de. Peut-être mettre. Oh, attendez, je vais profiter du son. Ah, mais je remarque que le son est à donf. Attendez. C'est peut-être un peu criant pour vous. C'est un peu dans le rouge. Je vais mettre moins 10 comme j'avais fait, je crois. On va faire moins 6. Parce qu'en général, j'ai tendance à faire moins 6. Je fais toujours des trucs par 6 sur le son. Mais non, c'est un peu trop fort encore. C'est un peu trop fort pour vous. Je vais baisser encore. Moins 10. Moins 10, c'est pas mal parce qu'en fait, il faut quand même que vous m'écoutiez un peu parler de mes bêtises. Et là, ça devrait être bon. C'est vachement fort. Hein. Ça monte à maximum 10 en fait. C'est fou cette histoire. Attendez. C'est peut-être le son in-game. Je vais baisser le son in-game. Volume global, on va mettre 80. Parce que 80, ça devrait être bien. Ouais, là, c'est pas mal. Ok. Alors, du coup, est-ce qu'on. Non, bah non. Pourquoi j'ai posé ça, moi? On va voir comment ça fonctionne. Non, mais c'est pas possible! On flambe? Ah oui, j'ai fait un double damage. Ah, ça les approche de moi, d'accord. Il vole, lui. Ah, c'est bien ça, l'éventail il est cool. J'ai pas utilisé ma compétence et j'ai perdu un quart de vie, mais ça va. Grâce à tapis, j'ai fait le travail. Les fourneaux c'était compliqué. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? On peut utiliser le vase? Oh, on peut utiliser les enfants. Ça pue le. Let's get weird, ok. Speak no evil, talk is cheap. Alors les affiches me font toujours très rire. Ok. On va continuer. On va continuer. Donc là ça va être la grosse bataille. Ok. Il y a des têtes. Il y a du feu ici. Il y a quelque chose qui va exploser là. Il y a un pistolet. Cool. Ça si jamais il y a besoin. Oh il y a une crosse de hockey, ça c'est bien aussi. Oh, je sens. On va garder notre éventail. Quand tu vas se casser, ça devrait être bon. Alors, attention, ça va se taper. Pourquoi il y a des blobs? Oh non! Et ben voilà. J'ai perdu un quart de vie. En fait, ça me double mon damage, du coup. Je suis pas très 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 content de. Alors, comment ça s'utilise ça? Ouais, ça s'utilise comme le. Ok, ça c'est pas mal. Ça, je suis pas très. Voilà. Ah oui, ça rapproche les choses. Non, ça, faut pas que je le garde. Je vais prendre la crosse. J'aime bien les trucs à distance. Ah, la bouteille brisée, ça doit être violent ce type. Ah, mais ça, c'est un truc à eau, ça, non? Oh, je me croirais dans Running Man, c'est trop bien, je suis trop content. Ok. On continue. Alors, il faut voir grand ou se faire petit. Bah tiens, c'est exactement ce qu'on cherchait. Vous repoussez les ennemis plus loin et ils subissent plus de dégâts en heurtant les murs. Ça, c'était vachement bien, ça, la dernière fois qu'on l'avait utilisé. Parce que la dernière fois qu'on l'a utilisé, on avait réussi. Attends, on peut récupérer les bouts de globules. C'est cool, ça. On avait utilisé ça. Alors, attends, non. Ah là, trop rapide l'enchaînement. Je voulais utiliser mon. Oh, je sais plus parler. J'y arrive plus. Bon, là, ça va être funky. Ils vont tous apparaître derrière les trucs, là, j'imagine. Ah, je peux être furtif. C'est vachement bien, ça. Allez, voilà. Et là, je pourrais. Mais qui es-tu? Voilà. J'ai utilisé tout mon truc, mais c'est très bien. Parce qu'en fait, moi, j'ai besoin absolument de finir cette mission-là, de faire la main. Rame de papier, ça s'utilise, ça. Okay.
Du coup, il y a mon petit crayon que j'aime bien utiliser aussi. Il y a quoi? On peut utiliser ça? Ouais, pas très intéressant. Alors, des fois, il y a des trucs on va prendre cette arme-là, je pense. Ah, mais vous voyez pas les armes à cause du contour. Attendez, la caméra, s'il vous plaît. On va modifier encore un peu la position de la caméra. J'aurais dû le faire dès le début. J'aurais dû vérifier ça. Voilà. Ici, c'est mieux. Donc, c'était quoi l'arme? Une scie. La meilleure défense. Ah oui, ça c'est vachement bien ça. Voilà. On va prendre notre crayon. Voilà. Donc là, on est pas mal équipé. Le crayon, ça va être du corps à corps. Ça va être on fait du tour autour de nous. Et la distance avec le doigt, ça va être bien. Alors, allez, c'est parti. Là, je pense qu'on est déjà bien. Il y a plein de trucs que j'utilise, que j'aime bien. Vous avez reçu un wink? Je peux choisir de rejeter ou d'accepter match. Ah, c'est ça mon rendez-vous! Oh, c'est le show. Je suis désarmé. Merde. Pardon, j'ai dit un gros mot. Là, je l'ai tué. Avec un coussin. Bon bah j'aurais peut-être pas dû accepter ce rendez-vous. Comment on utilise l'extincteur? Ah c'est bien! Je suppose qu'on peut geler les... Ouais c'est ça, on peut geler les... On peut geler les blobs. Ok, chaise de bureau, ok. Est-ce que j'ai suffisamment d'armes là? Oui, c'est bien. On va aller voir les compétences qu'on a aujourd'hui. Pistolet, speak, no evil, club 47. Ok, au niveau des vies, on est un peu just. Hein. Oh, tiens, c'est quelqu'un que je connais pas. Regardez-moi ça, de la viande fraîche. Le bureau de Winky Dink te traite bien, jusqu'ici, trésor. Cet endroit ne ressemble même pas à un bureau. Tout ici me met mal à l'aise. Ouais, ça fait souvent cet effet. Là, je comprends. Mais un bon conseil, Trésor, ne t'avise pas de critiquer les choix esthétiques du boss, tu seras à la rue avant d'avoir pu nexter. Ah oui, le boss, je suis censé trouver ce type. Tu veux parler du boss? Ça, c'est nouveau, tiens. Continue de descendre dans les étages et tu devrais finir par le sentir. Le sentir, ça va? Mais ne viens pas dire que je t'avais pas prévenu, faut garder ton sang-froid, Trésor. On va prendre ça. Il nous faut de la vie. On va tout acheter, hein. On a plus d'argent. Oh là là. L'as de carreau, oh, c'était pas mal ça. Attends, on va aller voir là-bas. Comme ça, c'est pour pouvoir. Non. Ah, mais il avale les trucs! Mais quel enfer! Oh, je l'ai tapé. Oh, ça va pas. Y a quelque chose qui se passe mal. Ah, je l'ai eu à la main, je crois. Ah, ça y est, lui, il a pris le mur. Et hop. Ah, mais ils se battent vraiment avec ce genre de coussin là. Vous êtes sérieux, les gens? Ah, bah, je vais prendre le truc de basket de carreau. Hein. Non, je vous lasse de carreau, voilà. Ok, on va voir ce que ça donne. J'ai perdu un peu de vie, mais ça va. Allez, venez! Alors, toi, je vais te finir la main. Alors, attends. Non mais elle se déplace comment? Mais tu vas mourir! T'approches pas de moi! Voilà, hop. Et lui on va le finir à la main parce que j'ai besoin de qu'il meure à la main. Voilà. Ouh là là, je vais mourir. Voilà.
en gagnant plein de vie. Ah là là. Alors, est-ce que j'ai pas augmenté mon kill. Ah bah j'ai la compétence validée, ça c'est bien ça. J'ai pas augmenté mon bal. Ah si, j'ai fait 4. Faire griller un job witch. J'ai réussi à faire ça? À quel moment? Je sais pas. Électrocute 5 et demi. Ça c'était il y a un moment hein, déjà. Donc du coup j'ai débloqué la compétence de faire le tour là, mais en fait il faut que j'arrête de l'utiliser. Ça m'embête trop là pour finir. Regardez-moi, je suis là pataugeant dans la sauce mayo pimentée. C'est violent mec. Devinez quoi tout le monde? C'est l'heure de la surprise party. Arrêtez tout ce que vous étiez en train de faire et rendez-vous au Fusel Café sur le champ. C'est un ordre festif qui vient de tout en haut. La dernière arrivée est un emoji vomi. Allez la troupe, on se bouge. Super, merci beaucoup. Oh génial. Et moi qui pensais qu'on allait être productif aujourd'hui, me voilà rassuré. Une fête. Oh non non non, pas ça. On n'a pas le budget pour organiser une fête, genre pas du tout. J'espère que Ren n'a rien acheté de trop déjanté. Il a acheté une statue de glace, ça sert vraiment à que dalle. On va s'éclater les loustiques. Oh yeah, c'est la boîte qui régale, lâchez-vous. Je suis en train de marcher sur mon câble. C'est la boîte qui régale, relâchez-vous. Oh yeah. Bon, autant faire avec. Santé les mecs. Nasdo, okay. Raymond. Pourquoi Raymond? C'est quoi ça? Ah oui, c'est parce qu'elle est en train de s'énerver. Oh tapis. Pauvre de toi. Tu aimes la sculpture de glace? Je l'ai fait faire sur mesure. Je m'en doutais, oui, mais combien elle a coûté? On s'en fiche. Qui lit encore les reçus de nos jours? C'est à ça que ça sert les relevés de cartes. On a déjà dépassé. Oui, je suis un peu d'accord avec Tapina. Ray, on a déjà dépassé le budget et de loin. Vous m'aviez promis pas de gros achats tant qu'on n'avait pas atteint nos objectifs. Comment suis-je censé gérer les finances de la boîte si vous n'arrivez jamais à maîtriser vos dépenses? Écoute, je sais que le boulot sur notre produit n'a pas été de tout repos ces derniers temps. Ça fait une raison de plus de se détendre et de s'amuser un peu. Tu gères un max quand t'es relax ou un truc du genre. Tu avais dit quoi l'autre fois, Marre? J'abandonne. Dépensez tout, Ray. Achetez 5 autres sculptures de glace si ça vous chante. Vous ne m'écoutez jamais de toute façon. Donc autant ne plus rien dire du tout. C'est ce que tout le monde veut ici, hein. Tapis. Non mais Tapis, elle est cool. Elle va revenir, c'est ce qui arrive quand un esprit fermé rencontre un esprit novateur. Waouh, la novation. La novation. Aïe aïe aïe. C'est trop innovateur, hein, monsieur M. Ray a raison, on va essayer de s'amuser un peu tous ensemble. J'ai pas envie, moi. Alors, équipé inapprochable via une bande des employés, mais j'ai pas envie en fait. Je te trouve bien déprimé pour quelqu'un qui vient de se voir offrir une pause détente en pleine journée. Tu t'inquiètes pour Tapis, c'est ça? Bien sûr, je n'ai pas envie d'en parler. Je suis ton chef de projet, Jackie. C'est mon job de m'assurer que tu passes un bon moment. Attendez, le son, il est archi fort en fait. Non, mais c'est pas possible. Il est aussi fort que ma voix. On va mettre encore plus bas. Hein. Parce que c'est aussi mon job de ne pas marcher dans les plates-bandes du PDG. Oui, bah tiens, je me doute bien. Là, c'est bon, là. Putain, c'est super fort, je trouve. J'ai l'impression que c'est super fort, mais je sais pas. Peut-être que c'est moi. Peut-être baisser encore. Je vais mettre à 15. 16. Non, 12. C'est un peu bas, après, hein, je trouve, non? Après, je parle fort, hein. Normalement ça devrait être bon. Normalement ça devrait être bon, mais qu'il y ait quand même une marge. Alors, du coup, j'ai pas envie de parler avec lui, il m'énerve. Kara, oh, ça fait du bien, ça me tue de passer 10 heures par jour à bosser sur cette foutue appli. Personne ne s'inquiète plus que ça au sujet de Tapis, on dirait. Tu sais, Jackie, je bosse avec elle depuis assez longtemps pour savoir que ce n'est pas en rentrant en rentrant son petit jeu qu'on va l'aider à se sentir mieux. En plus, je me fais rembarrer par Marv comme ça presque tous les jours. Tu crois que quelqu'un viendrait me réconforter? Alors ouais, alors les deux femmes qui sont dans cette startup, elles sont pas écoutées du tout. Kara, par exemple, elle est surutilisée pour pouvoir faire des développements pour rien. Non, parce que Kara, elle est trop forte et pas sensible. Alors elle peut tout encaisser sans sourciller, tu vois le genre? Super. Désolé Kara, je n'avais pas réalisé que c'est bon, Jackie. Vraiment. Je ne suis pas là pour écouter ces lamentations, c'est tout. Je ne suis pas son ami, je ne considère volontairement pas mes collègues comme des amis. Intéressant, c'est bien. C'est bien et en même temps ça pose des problèmes. Ça m'évite bien des déceptions. Arrête de te prendre la tête, d'accord? Bois un coup et profite de ce moment. Sympa, on n'en a pas tous les jours.
Bon, lui, j'ai pas envie de parler. Ferme, ça va encore. Est-ce qu'on peut parler ferme? Merci. Tu n'as pas, il n'a pas toujours été comme ça, Ray, tu sais. Comment ça? Quoi? Égocentrique, sans la moindre considération pour les sentiments des autres. Quand on a créé Fizzle, les arômes, c'était vraiment important pour lui. Quoi? Tu es cofondateur de Fizzle? Bah oui, bien sûr. Exact, on ne dirait pas quand on me voit aujourd'hui. J'ai laissé Ray endosser le rôle de PDG pour pouvoir me concentrer sur les arômes. C'était peut-être ma petite erreur. Ou alors, c'est justement ce qui m'a évité de finir comme lui. C'est vrai que tes arômes, c'est tout pour toi. C'est qu'ils signifient bien plus que le simple goût de nos produits, tu vois. Les arômes sont les vecteurs qui définissent toutes les expériences de la vie. Une boisson, une relation, une équipe, chacune a une saveur unique. Chaque individu y ajoute ses notes subtiles mais bien distinctes. En ce moment, les notes de Fizzle sont conflictuelles, trop d'amertume, trop de sel. Si un des ingrédients manque, votre recette est vouée à l'échec. Ok. Mon car, c'est bon. Bon, on va parler à lui. Yo baby, tu veux tester la nouvelle boisson que je viens de créer? J'ai repris tous les arômes de Fizzle plus un soupçon de jus de confiance de Winky Dink. Kara a goûté et trouve ça plutôt dans les moyennes hautes de mes habitudes, c'est ce qu'elle a dit. Je crois que quelqu'un devrait aller parler à Tapi. Vas-y toi. Moi j'ose pas lui parler quand elle est dans un mauvais jour, j'ai tout l'impression qu'elle a envie de planter quelqu'un avec une punaise. Oh bien je ne l'ai pas attendu pour ça. Mort de rire, c'est pas faux. Cette petite fête te plaît, Rockstar? Vous ne comprenez pas. Vous ne comptez pas discuter avec Tapi? Elle a l'air vraiment en colère. Écoute, ma petite, je t'aime bien, mais tu sais que ce n'est pas. Que tu ne sais pas ce que c'est de gérer une entreprise. Bah, apparemment, surtout pas des employés non plus. Un patron, c'est comme un parent, et les bons parents ne récompensent pas les cacas nerveux. Ok. Tapi n'aurait jamais dû se payer ma tête devant toute l'équipe, et elle le sait très bien. Allez, petite, arrête de t'inquiéter pour elle, ce n'est jamais. Bon de prendre le stress des autres sur soi, j'ai entendu ça dans un podcast plein de sagesse pas plus tard que ce matin. Mais va. Ah, il m'énerve. Il m'énerve de fou. Qu'est-ce qu'il a dans la main? Il a une ficelle? C'est vachement moche. J'imagine qu'il doit. Bon, Tapi, moi je t'aime bien. Jackie, tu trouves que je suis une cruche? Non, pas du tout, Tapi. Personne ne te prend pour une cruche. C'est gentil. Mais je sais que c'est bien que c'est pas sincère. Pourquoi? J'entends la façon dont vous parlez de moi, genre je suis une gamine incapable de penser par elle-même. Mais tu es une femme. Tu n'es pas une gamine déjà. Mais cette histoire de budget, c'est la faute de Ray, pas la tienne. Non, je sais. Depuis que je suis là, je fais tout pour essayer de satisfaire monsieur, mais il me traite toujours comme une moins que rien devant toute l'équipe. C'est systématique. G. Tu vois bien comme ça se passe. Que tu bosses dans la compta, le codage ou je ne sais trop quoi que fait Fern. Tes supérieurs trouveront toujours un moyen d'invalider ton travail. Et c'est pas faux. Il doit bien avoir quelque chose à faire, je ne sais pas. On pourrait essayer de parler à Marv. Tu sais bien que ça ne marche pas comme ça. Laisse-moi tranquille, tu veux bien. Je vais fixer mon écran encore pendant 2 heures et rentrer parler à mon chat. Et demain, quand je verrai Ray, je ferai l'air de rien. Je ferai l'air de rien. Oui, je lui ferai un grand sourire en le complimentant sur son look. Super. Parce que c'est ça mon job en fait. Tapi, laisse-moi tranquille. Putain. Pardon. Je dis des gros mots gratuitement comme ça, mais en fait ça m'énerve. Ah, il y a des trucs là-bas, il y a des nouveaux trucs. On va les acheter. En plus, j'ai de la thune. On va claquer de la thune. Alors, ça a l'air pas mal. Plus il y a de gens à proximité, plus vous gagnez en force. Ça, c'est pas mal. Laisse éclair dénicher les objets importants de la pièce pour vous. C'est pas mal. Chance de critique plus grande lorsque vous ne visez pas. Ça, c'est pas mal aussi. Surtout qu'il y a des moments où je le fais pas. Utiliser une application produit, un choc électrique. Ah, intéressant. Je suis insupportable, tout le monde m'aime. Bon, on va prendre tout. Voilà. On est blindé de toute façon. Donc, on prend tout. Alors du coup, la bande d'employés, je pourrais équiper. Donc j'ai équipé donc toujours. On est voilà et on va équiper la compétence choisie qui est celle-ci encore. On peut choisir celle-là. Bouger et attaquer plus vite. Non, ça va plus m'embêter. On va essayer de faire du. On va faire du grind. On va essayer d'aller chercher un peu de quoi passer des niveaux. En vrai, ça m'intéresse pas trop de passer les niveaux de Marv. Même s'il pourrait me donner accès à d'autres choses. J'avoue. Bon, on va prendre la bouteille, déjà. On va prendre ça, ça avait bien marché tout à l'heure. Et on va essayer de prendre ça, parce que j'ai... Non. Voilà, la chaise. La chaise a l'air d'être... Alors, quand il y a le Wi-Fi, normalement, c'est à telle chercheuse. Ok.
Voilà, ça tue tout le monde en fait automatiquement dès que tu les as lancés, donc ça c'est bon. Attends! Je sais pas ce que j'ai envoyé là. C'est quoi l'appli? Ah. Ah, on peut les geler vraiment, c'est bien ça. On va faire à la main. Parce que c'est le but, là, au final. Oh non, je les ai tués tous les deux avec le truc à carreaux. Oh, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Et du coup, l'arme, c'était quoi? C'était stylet. Bon, c'est pas très intéressant. Ok, on va changer. Bon, la bouteille, pourquoi pas. On va changer ça, on va prendre le style, le crayon. Et on va revenir en arrière, parce que c'était pas du tout la seule que je voulais rentrer. Moi, je voulais aller là. Déjà. Je suis un peu supportable et tout le monde m'aime, je vais pas prendre ça, vous infligez plus de dégâts, et ça c'est très bien, avec les objets lourds. Le traversin, c'est un truc de ouf, hein. Un truc de weeb, c'est comme ça qu'on dit, je crois. Mais c'est sérieux, ça fait peur. C'est quoi cette salle? C'est une salle à armes en fait. Tu choisis ce que tu veux. L'écran il est intéressant, l'ordinateur on s'en fiche. Ah, y a pas un truc où je dois casser des ordinateurs? J'ai déjà fait ça. Le dernier étage, bah rendez-vous, fait griller. Ouais, j'ai déjà fait en fait. Casser les ordinateurs, j'ai déjà fait. C'était le 2. Alors, on va accepter. Oh, il est dur lui. Et il invoque d'autres personnes. C'est un Cupidon bizarre hein, en même temps. Ah, je l'ai tué en lançant le truc, c'est bien ça. Oh là là. Ok. Ok. On peut se level up, hein. Bon, je vais le tuer, j'en ai marre. Voilà. Hop, comme ça c'est fait. Donc j'ai tube you, quand vous avez besoin de passer le temps. Oui, ça c'est très bien. On va changer avec ça. Et on va aller chercher notre compétence ici. Alors, au revoir. Faut qu'on achète de la vie. Alors, un Margarita, non. Vous permet. On n'a pas grand-chose en vie, hein. On n'a pas masse en vie, hein. Purée. Bon. En espérant qu'on trouve de la vie quelque part, parce que là j'ai perdu trop de points en essayant de juste le taper à la main, j'aurais pas dû. Ça va être plus compliqué que je le pense. En fait, faut que je vois sur la longueur. Non mais c'est sérieux l'histoire du Twitter, hein? Du Twitter, du Twister. Purée, il y a des aubergines! Mon Dieu! Je vais prendre ça. La battre à la main. Voilà. On peut prendre les aubergines, ok. Oh super, c'est la compétence que je voulais essayer. Plus il y a de gens dans la proximité, plus vous gagnez. Ok, ça va être bien. On va se taper avec une aubergine, hein, écoutez. On va faire ça. Ça a l'air d'être nul la leçon, j'ai l'impression.
Parce que ça avait l'air très très fort tout à l'heure. Après, j'ai du mal toujours à gérer le rapport au son, c'est toujours très compliqué pour moi. Je suis pas très 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 fort en audio. Bon bah au moins les globules c'est assez rapide, c'est cool ça. Mais pas possible quoi. J'ai perdu un point de vie pour rien. J'ai l'impression que c'est un objet contendant le. Pendant les 5 prochains combats, vos ennemis ne vous dévoileront pas leur santé. Intéressant. En fait, j'ai pas forcément besoin de savoir la santé des gens. Ça vous apporte quoi de me jeter une malédiction? Tu vois, toutes mes étagères sur le côté, chaque livre contient une malédiction. En fait, j'ai même installé 10 nouvelles étagères pour poser les 2000 malédictions que j'ai achetées récemment. Je stocke les malédictions plus vite que je ne peux les lancer à chaque jour sa malédiction. Alors, vous essayez juste de vous en débarrasser. C'est également très amusant de te voir combattre sous l'effet d'une malédiction. Bah, on va la ramasser, écoute. Ah oui, d'accord. On a une malédiction et on a le droit à quelque chose en plus. Je peux pas acheter ça. Je peux prendre tout ça? Bah, on prend tout, hein, écoute. On va prendre la masse mojo. En soi, la malédiction de la vie qu'on voit pas, on s'en fiche un peu, là, sur le coup. Oh là là! Voilà, comme ça, c'est fait. Il était dur, hein. Il m'a mis un coup, mais sale. On va aller du côté de la vie. Voilà, donc là, on a de la vie, c'est pas mal. Plus grande lorsque vous ne visez pas. Mais ça, c'était pas mal, mais j'aurais dû l'acheter. Ah bon? Dane. Ah, il y a mon super jeu. Mais là, la crosse, c'est pas mal. Et là, je peux acheter tout ça. Ok. 3 à 5, à 5 combats ouvrés. Bah, c'est très bien. Ah, j'ai entendu le chien, il a dit. Il a dit cet objet est bien, l'appli. Ok. C'est bien de l'avoir pris. Je pense on va peut-être pouvoir finir le deuxième niveau très rapidement. Alors je sais pas, j'ai pas lu le truc. Attendez. C'est quoi l'objet que j'ai récupéré? C'est quoi l'appli? On peut pas voir ici. Dane. Eh bien, on va accepter. J'ai pas beaucoup de vie, mais on va accepter. On va l'utiliser tout de suite. Ah, mais j'ai une voiture! Bah, voilà, comme ça c'est fait. Passer un bon rendez-vous. Voilà, j'ai passé un très bon rendez-vous. Allez, in love. Ça veut dire quoi si t'es in love? Pourquoi t'es in love? Parce que mon rendez-vous était bien? Oh, j'ai de la vie, trop bien. Main collante. Je sais pas si on va prendre ça, on va prendre ça, ouais, je pense. Ah non, la main elle est mieux. Bon, la main est mieux. Ok, on va aller là. S'imposer, il faut voir grand ou se faire. Voilà. Faible chance de vous soigner quand vous battez un ennemi. Ah oui, elle est avec moi du coup. Ok, c'est bon, c'est cool. Allez, c'est parti. Il y a des flammes. Ah oui, carrément, ça fait du feu. Ok. Je brûle! Je brûle! Je brûle! Mon Dieu.
De la vie, ouais. Bah c'est très bien. Elle est toujours là? Elle m'aime toujours, c'est bien. On vient, hein. On va réussir à faire ce niveau, je pense. C'est le troisième niveau, hein, donc. Waouh! Non! Ah, j'ai brûlé à cause du feu. Non! J'ai essayé de rattraper l'appli, mais j'ai pas réussi à le récupérer. Mince. J'ai réussi un rendez-vous déjà. L'éclair qui a absolument envie de m'indiquer où je dois aller. Donc on peut acheter tout ça. Ça, c'est quoi ça? Inflige temporairement deux fois plus de dégâts au début d'un combat, c'est intéressant. Plus vous cassez d'objets, plus vous allez vite. Oh, ça, c'est la ref au jeu qu'on a joué avant qui était Untitled Goose Game. Vous trouvez plus d'appli. Ça, c'est pas mal. Vous tapez plus fort, mais vous gagnez moins d'argent. Enflamme parfois les ennemis que vous visez. Mais ça, c'est un problème, ça. Celui-là, il est pas mal. Inflige temporairement, vous trouvez plus d'appli, c'est pas mal. On va prendre l'appli d'abord. Voilà. On va parler à Avi. Bon, ok. Yo, Avi, je pourrais écouter Kara crier sur tapis? Chargement de la conversation. Tapis! Hein, qu'est-ce qui se passe, Kara? Je t'ai déjà dit de ne pas laisser tes papiers de Bubble Tea traîner sur mon bureau. Pourquoi tu l'enlèves, ce papier, d'abord? T'es censé percer un trou dedans avec ta paille. Je sais comment marche un bubble tea, hein. Pour ta gouverne, j'enlève le papier seulement après l'avoir fini, quand je m'ennuie. Dans ce cas-là, mets-le dans cette satanée poubelle, ok? Ou non, mieux. Arrête de boire cette saleté pleine de sucre à n'importe quelle heure de la journée. Comme si tu étais madame, je mange saine et équilibrée. Tu en es à combien de bols de nouilles instantanées aujourd'hui? Ça n'est pas la question, mon cerveau a besoin de sucre lent, ok? Super la conversation. Ces deux-là devraient vraiment apprendre à régler leurs problèmes. Je suis d'accord avec toi, Jacqueline. Par tous les arômes, Jacqueline, tu empestes le sulfure et les produits d'entretien. Qu'est-ce que Marvin te fait faire, au juste? Oh, tu sais, des combats contre des monstres démoniaques, il paraît que c'est classique pour les stagiaires d'ici. Fais attention quand tu t'aventures dans des endroits comme ça, Jacqueline. Passer trop de temps à baigner dans les arômes infects, ça peut souiller les papilles. Je ne le sais que trop bien. Nous devons tous combattre des monstres de temps à autre. Mais si nous ne faisons pas attention, nous devenons nous-mêmes des monstres. Ne t'en fais pas pour moi, Fern, ça va aller. Allez, tapis. Bonjour, tapis. Salut, Jackie. Non, elle a peur. T'es sûr que ça va, tapis? Je vais bien, je vais super bien. Depuis que ce truc à café a été installé près de ma fontaine, à eau, je ne tiens littéralement plus en place. Je n'ai plus peur du crash, je peux tout rattraper. Tapis, tu me fais un peu peur. Ouh là là, ça commence à avoir des effets malsains. Hey, vous avez entendu parler de Winky Dink? Oh, tu parles. J'étais super pote avec leur fondateur. Ce type-là sait ce que c'est que de faire la fête. Sans rire, vous pouvez me parler de lui? C'est un génie des relations. Il comprend parfaitement ce que recherchent les gens dans une appli. Quand il m'a dit qu'il allait monter une start-up de rencontre, je savais qu'il allait tout déchirer. Et ça n'a pas mis bien longtemps avant que Cubicle le rachète comme ton humble serviteur. Est-ce qu'il a des faiblesses? Genre des défauts de personnalité? Oui, ou même des faiblesses physiques. Peut-être même des points faibles. En surbrillance ou un truc comme ça. Vous savez quoi, laissez tomber. Ok. Ça avance avec ces démons? Pas vraiment. Tout est feu en feu là-bas, je pourrais pas avoir une combi spéciale ou autre. Ne sois pas ridicule, Jackie, le budget est déjà assez serré comme ça. Essaye de penser un peu aux autres employés de cette entreprise. Nous avons tous des problèmes à gérer. Bonne idée, Marv. Je vais tuer ces démons en étant plus altruiste. Waouh. Waouh, 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 waouh. Tu as une nouvelle mission pour moi? Oui, tu pourrais aller me chercher une pizza? Genre, une vraie pizza? Oui, la classique avec la pâte de la sauce du fromage. Avec la pâte de la sauce et du fromage. Rien que des bonnes choses. Ça va me changer un peu. La plupart des missions ont tendance à impliquer une certaine violence. Oh, mais j'ai oublié un détail. Je veux que tu voles cette pizza à des démons. Pas ce truc fade qu'on trouve en surface. La pizza démoniaque, c'est carrément autre chose. Évidemment, je vais m'en charger. Ok, faut s'inviter à la soirée pizza. Bon, on continue, hein. On fait du...
On fonce dans le tas. On fonce dans le tas. Nettoyage des slams, ça m'a fait. On était pas loin, hein. On avait acheté plein de trucs, on avait récupéré plein de trucs. La malédiction, au final, c'est pas si mal parce que t'as le droit à plusieurs. Je pense qu'on va essayer de se maudire un peu de temps en temps. Oh, super, il y a le balai. Bon, le balai, ça suffit. Bon, là, il y a le feu. Oh là là. Je savais pas qu'on pouvait balancer de l'eau. On va prendre ça. Et ça, surtout. Alors, du coup, il y a de ce côté-là. Alors, je sais pas si vous avez vu cette image-là incroyable de l'aubergine et tu matches ou tu matches pas. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Il vole lui, il m'embête. Ouais, je vais faire plus attention, parce que je vous remarque qu'en fait, je fais souvent des erreurs. Il y a un deuxième éventail. Voilà. Alors, les compétences qu'on va apprendre aujourd'hui. Chance de critique plus grande lorsque vous ne visez pas. Vous trouvez plus d'appli. Peut-être qu'on va essayer de prendre plus d'appli. On va voir ce que ça donne. Je sais que l'autre était pas mal aussi, mais je pense que l'appli, ça va être intéressant. Ouais, c'est parti. Oh le feu! Ça y est, j'ai plus rien. Hop, il est mort. Je peux lancer un truc là? Voilà, hop. On va le taper à la main. Voilà. Donc la route du stick, c'est quoi déjà? Big Daddy. Ah, mais ça veut dire qu'on appelle le Big Daddy de. Ah, ce serait bien ça. De Bioshock? Et là, je peux acheter des trucs. Tubio. Qu'est-ce que j'ai? J'ai ça, ça, ça. Et j'ai un fusil là-haut. Je vais peut-être acheter de la vie. La vie dans 4 combats, ça peut être pas mal. Bon, là, attends. Donc là, j'ai un rendez-vous. J'ai cru voir un truc ici, mais bon, c'est pas grave. Là, j'ai un rendez-vous, on va le prendre. Ah, Big Daddy, c'est ça? Ok. Tant mieux. Hein. C'est exactement ce qu'on a fait tout à l'heure. Ah, l'explosion s'est étendue. J'ai pas perdu de vie, miraculeusement. Je sais pas comment ça se fait. Oh là là. Oh là là. Non! Ah, je l'ai eu. Je l'ai loupé. Ah, j'ai loupé mon rendez-vous. Je me trompe de. À chaque fois, je me trompe de pour attraper. Mais ça m'embête, cette histoire. Je dois reprendre de la vie. Non, ça, c'est la fin. On va pas aller là. Il nous faut de la vie. Et on n'a pas vu de. Ah, voilà. Oh, j'ai pas assez. Oh, j'ai pas assez. Bonjour. Qu'est-ce que Winkindig fait concrètement? Ça se voit, c'est une appli de rencontre. Oh, ça a l'air relativement. Oh, tu veux pas. Tu ne peux parler qu'en emoji. Ah, normal. Mais ça doit être horrible. Pourquoi quelqu'un voudrait l'utiliser? En fait, c'est plutôt une bonne stratégie. Enfin, j'ai jamais eu de rencard avec. Mais c'est super marrant de regarder les mecs galérer pour demander une photo de corne. Les applications. Hop, on va prendre le poker. Ah non, il est plus rapide. C'est bien. Je vais mourir en fait. J'ai plus de vie.
Je vais totalement mourir ici. Bon, on va essayer de le faire. J'ai déjà plus d'armes. Je suis choqué, j'avais plus d'armes dès le début. C'est ça en fait le truc, les étincelles qu'il y avait. Oh non. Accro au réseau. Ça pourrait être intéressant, mais il n'y avait pas assez d'appli là. Cette nouvelle compétence. Bon, on peut rien acheter. Avi, qu'est-ce qu'il y a? Yo, Avi, je déteste ce boulot. Lance donc une fois où Marv est passé pour un débile. Chargement de la conversation. J'ai une excellente nouvelle, tout le monde. J'ai terminé la mise au point de mon dernier parfum Fusel. Parmesan à l'anchois. Il déborde du d'umami. C'est génial, Fern. Ça t'ennuierait de rappeler ça à tout le monde, à tout le mode, ce que c'est? Bien sûr, donc tout le monde. Bon, umami est la moins connue des cinq saveurs de base. On la décrit comme... Non, 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 tout le monde sait ce que c'est, l'umami. Non, je sais pas du tout. Non, je voulais dire l'autre chose. Quelle autre chose, tu veux dire l'anchois? Oh, c'est pas vrai, Marv ne sait pas ce que c'est un anchois. C'est sûr, il le sait pas. Marvin, tu sais, si tu veux que je t'explique ce que c'est un anchois, c'est un petit poisson. Non, laisse tomber. Évidemment que je sais ce que c'est un anchois. Je ne suis pas stupide, je suis le chef de projet. Mais qu'est-ce que vous regardez tous? Allez, on se remet au travail. C'est le plus beau jour de mon stage. Donc ça, c'était marré. Ça va me donner la pêche toute la semaine. Fin de la conversation. Bah, super. Merci. Très heureux. Très heureux. Il y a tout le monde qui veut discuter avec moi, donc on va aller discuter avec tout le monde. Alors, baby, on joue les bourreaux de cœur avec chez Winky Link, il paraît. Je ne suis pas trop sûr de la formulation, mais on peut dire ça comme ça. J'avais plein de copines qui pécho beaucoup sur cette appli avant. Je me suis souvent demandé ce qui lui était arrivé. Quoi? Kill? Et en fait, la boîte a coulé et ils se sont tous transformés en démons sapés comme des chaudasses. C'est ouf. Je te permets pas, elles ont le droit de s'habiller comme elles veulent. Ouais, monte dedans. Casse-toi, Marie. Casse-toi. Tapis, tu utilises des applis de rencontre? Bien, oui, avant, peut-être, un peu, sur une Kidink. Mais ça n'a jamais vraiment bien marché, en fait. Une femme qui recherche une autre femme, c'est sur une appli de rencontre classique, c'est perdu d'avance, en général. Qu'est-ce qui est devenu cette appli, d'ailleurs? Si je te le disais, tu me croirais pas. Bah, elle est, en fait, achetée par ta startup. Alors, Marv, t'as envoyé fouiner dans les bureaux de Winky Dink? Ouais, c'est un beau bazar, là-dessous. Ça peut pas être pire que d'utiliser leur appli. Tous les mecs que j'ai rencontrés dessus étaient démoniaques. Et les filles, pas une qui m'a répondu. Oh, je suis désolé, Kara. C'est pas grave, ça. Les rencontres, c'est pas le but de l'ultime expérience. Est-ce que c'est... J'investis mon énergie émotionnelle dans des activités plus fructueuses, comme être propriétaire d'un chien. C'est vrai que Éclair, hein, fait le travail. Eh bien, je n'ai pas envie de parler à Marv. Donc on va aller... on va y aller. Toi, j'ai pas envie de te parler non plus. On va faire juste un truc. Je vais aller juste aux toilettes. Jure, je reviens. Je remets la caméra. Petite caméra reprise. Hop, on remet le jeu. Je suppose que la musique s'est encore arrêtée quand on... Qu'est-ce
cache le jeu. Je reprends ma manette tranquillement. Manette pourrie en plus. Bon. On va essayer de faire ce deuxième monde là, j'en ai marre moi. En plus, on n'est pas loin à chaque fois. Non, mais non. Je te prends ton traversin. Voilà. On va essayer le traversin quand même à un moment, peut-être que ça peut aider, hein. Très bizarre hein, quand même cette histoire. Plus vous cassez des gobelets, plus vous allez vite. Mais ça, moi je suis très pour. On va prendre ça. Je suis très pour ça. Et je tape le rouge. Ça sature. Et on va prendre le balai parce que j'aime bien le balai. Hop. Ouais, c'est pas très, très très efficace. Ça. J'ai pas acquéri. Non mais elle est partie. Elle est là. Moi, je peux utiliser que quand je fais à manger. Quand je fais à manger, quand je vais chercher de la bouffe. Ah mais faut les récupérer toutes les thunes. Je le fais pas depuis le début. Moi je vais accroître. Hein. Ah. Jitter, c'est quoi déjà Jitter? Ça doit être le café, ça doit m'énerver, j'imagine. Je vais prendre la crosse, je vais reprendre la crosse, hop. On va voir si on peut économiser un peu de thunes. Et le feu là! Ah! J'ai bien fait de traverser. Voilà. Et le feu, il était dur, hein. J'ai bien fait de traverser d'un coup. Le crayon. C'est quoi ça? Ah oui, c'est le match. Ok. Qu'est-ce que j'ai comme arme? J'en ai pas mal. Je vais reprendre ça. Et on va match. Ok. Faut que je charge mon truc. Je pense qu'on peut le charger, l'éventail. Ouais. Bon, vite fait. Ça, c'est nul le coussin. C'est un truc de fou. J'ai cassé des objets, ça m'a speedé. Et j'ai gagné mon truc normalement. C'était compliqué. Hein. Alors le coussin, c'est vachement nul. L'as de carreau. Bon, j'ai deux. Je vais prendre ça. Bon, voilà. Hein. De la thune, ça c'est bien, ça c'est toujours agréable. Mais ils brûlent pas en fait, c'est ça? Ils brûlent pas d'eux-mêmes. Les éventails c'est vachement bien. Je confirme, les éventails c'est vachement bien. Le fizzle. Ah, c'est marrant. Le fizzle est marrant. Ok, tu lances le truc. Non, là c'est. Non, c'est. Là c'est la fin. Faut descendre. Et là ça doit être le endroit où je peux utiliser. Voilà. Ça me sert à pas grand chose parce que je vais faire hop, j'ai une vie, c'est assez bien, et on va utiliser sur ça.
Ça, c'est pas mal aussi en vrai. Hein. C'est quoi ça? La fourche? La fourche, on l'a pas trouvée encore. Est-ce qu'on a de quoi faire le travail? Je pense qu'on va faire du dégât avec ça. Faut faire attention au feu. Il n'y a pas de feu ici. C'est très bien. Cette histoire de. Ah, le traversin de défense? On verra ça tout à l'heure. Il y a quelqu'un qui est amoureux de moi, hein. C'est bon ou... Voilà, coup d'aubergine dans ta tête. On prend ça. Ouh là là, c'est quoi ces gros bras, Jackie? Faut voir gros. J'espère que... Waouh! C'est impressionnant! Tom, 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 tom. J'essaie de voir le son là, je du mal hein. Bon, il y a du feu, je vais m'occuper d'abord du slime. Voilà, comme ça c'est fait. Wouah, le feu. C'est la téléporteuse, je m'en fiche, elle va venir forcément. Ouh là là, c'est compliqué. Je vais rester là. Comme ça, c'est fait pour lui. Quand tu veux, téléporteuse. Je t'attends. Voilà. Comme ça, c'est fait. Alors, du coup, il y a la malédiction. On va aller checker la malédiction. Qu'est-ce qu'elle nous propose? Pendant 5 prochains combats, vos ennemis. Bah, ça, on va la prendre direct. On s'en fiche. Plus de gens en proximité, plus vous gagnez de force, oui. Votre premier coup critique sur un ennemi vous donnera 1$, ça serait bien. Et l'application, c'est bien. Ok, on prend tout. C'est très très. Moi, ça me dérange pas le principe de pas avoir la vie. Ça me dérange pas. Est-ce qu'il y a une appli? Non, bien entendu. On tape à travers les murs. Ouais, elle va se casser, donc le poker, je vais le changer. On va aller là, voir ce qu'il y a. Voilà, comme ça, on le règle directement ça. Ah, c'est trop bien le truc de casser. Voilà, de planter. Ah, c'était une fourche? Voilà, bam. Qu'est-ce qu'il y a? Ah non, c'était l'as de carreau, il plante. C'est bien. Là, on est bien. Je vois pas la map, mais on va peut-être regarder la map. Est-ce qu'on peut voir la map? Voilà. J'ai pas fait les compétences, donc on va revenir. Là, au niveau compétences, on est pas mal. Le fait que la malédiction est continue, c'est pas un problème. Ça, c'est compliqué. Voilà, on va prendre le réceptacle. Ça me donne plus de vie en plus. Du coup, ça me donne une raison d'aller directement chercher ma. À l'achat, peut-être au prochain truc que j'essaie d'acheter. Elle est où? Voilà. C'était compliqué. Et par contre, là, je vais perdre mon as de carreau. Mon as de carreau. Donc, on va poignarder quelqu'un de loin. Bon, ça, je vais prendre on va prendre ici. En match. Ouais, je l'ai loupé. Purée. Ah, faut pas que je me laisse enfermer comme ça. Je l'ai loupé ou? Je l'ai eu.
Ramasse la crosse. J'ai perdu trop de vie. S'il n'y a pas de la vie dans l'histoire. Non, il y a le fuseau. Le fuseau. La crosse. Merci. Faut qu'on achète de la vie. Alors le truc de le... J'ai pas compris le truc de... Ça c'est quoi ça? Si vous mangez, votre force augmente pendant un instant. Donc ça c'est bien. On va acheter ça. Il nous faut de la vie. On revient à zéro. Du coup on est encore maudit. Et j'ai la crosse et j'ai encore mon appli de rencontre qui me permet de donner des coups de love. De SMS lové. Alors hop. Voilà. Oh. Un coup de gros coup de crosse et c'est bon. Droit dans le mur, vous repoussez. Oui, ça c'est très bien. Repousser les trucs, c'est vachement bien parce qu'en fait ça leur met des. Ça leur met des coups en plus. C'est cool ça. J'aime bien le fond d'écran, j'aime bien le sang et tout. C'est assez joli. Ah, j'ai plus de. Merde. Je tape rien. Mais c'est pas possible. J'ai des gros bras donc je m'en fiche. Voilà. Ah oui, ça enchaîne après, hein, dis donc. Bon, il va falloir que j'achète de la vie, mais c'est pas grave, c'est le début. Alors, je vais pas prendre ça. Tous les objets que vous jetez iront droit sur leur cible, ça c'est bien. Je vais acheter de la vie si je peux. Il y a de la vie là. Ça, c'est de la vie. J'aurais dû acheter ça. Bon, c'est pas grave. J'ai encore de la thune. De toute façon, au pire, on trouvera le magasin. Oh là là. Oh, il y a un. C'est qui lui? Ouh là là. Oh non, le feu! Non, je l'ai approché avec ce truc, j'en peux plus de cette arme. Mon Dieu. Je vais baisser le son, je tape dans le max. Voilà, là c'est bon, là normalement si je crie, ça devrait passer. Okay. Mendiant volant. Bon après ça va me faire débloquer des compétences, mais bon. J'ai mal joué les histoires de. Il y a un truc que j'ai mal joué là. C'est quoi ça? Enflamme parfois les ennemis, non? Non, on va prendre ça. Alors, avis. Yo, avis. De quoi Ray et Marv parlent quand ils vous sont seuls tous les deux? Change. C'est mon pote Marv. Ça farte mon chauve copain préféré? On est pile dans les temps. Avis prépare les slogans marketing pour notre nouvelle collection Aigre Douce de parfums d'Officiol. Et la nouvelle stagiaire, comment ça se passe avec elle? Ça va, elle est pas trop mal. Hein. Un peu empotée, mais le boulot est fait. Tu pourrais lui demander d'arranger ses cheveux autrement. Quoi? Comment ça autrement? Ben, tu sais, genre, essayer une nouvelle coiffure, les laisser libres de temps en temps, ça pourrait être sympa. Mais c'est qui ces gens? Il y a une raison particulière à ça? Je pense juste que. Ok, on va s'arrêter juste là pour celle-ci. Je suis d'accord. Pas question que je me détache les cheveux pour ces cinglés, mon budget artistique est déjà trop serré. Ok. Ouais. Wow, je suis la seule à avoir l'impression d'avoir bu trop de café. Je me sens pas vraiment différente. On dirait plus que je me rapproche de la fontaine, plus je me rapproche de la fontaine, plus je suis en forme. C'est sûrement tous ces ions positifs, ions négatifs, on en parlait tout à l'heure, c'est peut-être l'électronégativité. Ok. Bon, lui, il veut pas me parler, Tapia veut pas me parler, on va parler à Marais et à l'autre là-bas.
C'est pas trop mon truc, les applis de rencontre, ni les rencontres en général. Je suis plus du genre à traîner dans les boutiques d'ordi, à coller des mèmes en fond d'écran sur tous les modèles d'exposition. Bah, toi, t'es un lourd, en fait. Comme mec. Ouais, c'est une activité comme une autre. Juste un peu spécial. Et c'est quoi le concept de Joblin? La start-up des petits boulots, c'est assez simple en fait. Je regarde un peu mes messages, j'ai pas des messages, non, c'est très bien. Tu as quelque chose à faire, tu n'as qu'à embaucher quelqu'un via l'appli Joblin, peu importe le boulot, ils le feront, ils y sont contractuellement obligés. Mais beaucoup d'applis font déjà ça au final. Oui, mais disons que tu as un truc vraiment pourri à faire, comme nettoyer de la viande avariée dans ton frigo, ou essuyer les fesses de ton chien, ou appeler tes parents. Sur les autres applis, personne n'accepterait de faire ça. Mais le truc avec Joblin, c'est que les employés doivent accepter le job avant de savoir ce que c'est. Comme ça, pas de conflit sur qui a les meilleurs boulots. Super équitable, non? Ouais, je vais pas répondre. Il m'embête, lui. Lui, il m'énerve. Il m'énerve comme un chef d'entreprise, donc là, je pense que ça doit être exactement le même problème. Heures. Je soupçonne qu'on n'aura pas JDR aujourd'hui. Donc peut-être qu'on va continuer 2 heures encore. On va essayer de finir ce truc là. Ce niveau parce que j'en peux plus. Moi j'en peux plus. Je vérifie juste que je n'ai pas de message concernant le JDR. Je l'ai lâché le. Mais non! Oh là là, c'est mal parti. C'est tellement mal parti. Va le faire à la main. Il faut quand même qu'on réussisse cette mission-là. Voilà. On l'a pas fini cette mission de taper les gens à la main là et les tuer à la main? Ah bah si, il en reste 3. Voilà, c'est bon. On va pas prendre le traversant de tête. Acquérir. Envie d'économie. Bon, ok. Ça c'est bien. Ouais, vous êtes juste à côté les mecs. Descends. Voilà. Il en reste. Hop. Voilà. 9. On va prendre ça. Je vais le jeter après, de toute façon, parce que je sais que ça va être utilisé une fois, ce truc. Vous en fichez. Bah, hop. Les armes plus lourdes, moi, je veux bien. Hein. Ah, ça les stun! Voilà, tiens, prends. Ah, mais traverse, c'est un truc de fou, aussi, ces histoires-là. Voilà. Toujours lancer des trucs, hein. Je pense que c'est vachement nécessaire de lancer des trucs. On va prendre le clavier. Merci. On va prendre ce clavier-là, hein, parce que je ne l'ai pas utilisé. C'était nul. Bon, j'ai pris cubicle, c'est pas. Ah, comme ça, c'est vrai. Voilà, à la main. 10 normalement, c'est bon. Quoi? Pourquoi j'ai Where is App? Pour ceux qui ne distinguent pas la gauche de la droite. Je crois que ça les fait mettre à l'envers. On prend ça. J'ai perdu qu'un point de vie, donc ça va. On va match direct. Nous on est là pour match. C'est quoi ce truc volant? C'est quoi cet enfer? Par contre, je veux bien que tu m'aides. Oh, il fait du feu, moi. Quel enfer.
Voilà. Est-ce qu'il est bon? Il est avec moi ou pas? Que de la thune, c'est bien. Il est pas avec moi. Je suis dégoûté, j'ai réussi un match, mais... Je suis un peu motivé pour ça. Et ça, à côté. Je gagne moins d'argent. Ça m'intéresse un peu moins. Je vais prendre de la vie d'abord. Voilà. La flamme antique, ça peut être intéressant, mais ça va me flamber aussi, je crois. Vous tapez plus fort. Mais je gagne moins d'argent. Ça m'intéresse pas, en fait, du tout. Et ça, par contre, ça pourrait être intéressant, mais... Déjà, j'ai le traversin, ça m'embête. Alors ça, il faut que je puisse calculer. Alors, dans 5 tours, c'est ça qu'il me faudra. Voilà. 3 à 5, c'est très bien. Je pense qu'il me faudra de la vie d'ici là. Donc, on va calculer comme ça. Et on va descendre. Voilà. 2. Pourquoi qui est in love avec moi là? C'est. Est-ce que c'est. Qui? Ah mais c'est toi. Mais pourquoi tu me tapes? C'est quoi ce truc? Pourquoi il m'a tapé? Donne-moi de la vie. Deg. Je suis dégoûté. J'ai pas une arme là que je peux récupérer vite teuf et qui ressemble à quelque chose. Parce que ça là, on va prendre ça. Hein. Charger, ça doit faire un truc pas mal d'ailleurs le gant, j'imagine. J'aime bien l'icône de Jackie, c'est la frange jaune et sa couleur de peau. Rigolo. Oh là là. Mais quel enfer. On va match direct. Hein. Ah, c'est un volant encore. Oh là là, je suis enflammé direct. Non mais c'est pas possible cette histoire. Ah, je suis enflammé direct, je suis dégoûté. Ah, je suis dégoûté. Ah bah du coup, le fait que je l'ai utilisé une fois, j'ai rien fait avec. Ah ouais. Yoavi, est-ce que Mara et Kara traînent souvent ensemble? Chargement de la conversation. Salut Baby, quoi de neuf dans le monde des ordi? Je t'avais prévenu, c'est que si tu m'appelais encore une fois Baby, je t'arrachais les ongles. Je suis d'accord avec toi Kara, force. Allez, file-moi tes mains, je vais... Mais c'est quoi ce truc? Pourquoi t'as pas d'ongles? Malformation congénitale. Le Toubib a dit que ça s'appelait l'Anoniki. L'Anonichi. Mais je préfère appeler ça les doigts magiques de Marais. C'est un peu chiant pour attraper des trucs, mais au moins je fais de super massages du dos. Par pitié, faites que cette conversation s'arrête. Laissez-moi oublier ça. Je peux comprendre. Il y a quelqu'un d'autre qui veut me parler? Il y a Marais qui veut me parler. Voilà. Allez où, tapis? Marais va me dire... je sens la force du café. Je peux te poser une question personnelle? Ou non? Pourquoi t'as accepté ce job si t'es même pas payé? C'est une bonne question. C'est une très bonne question. C'est une très très bonne question. Je suis là pour me faire un SMIC alors que je n'ai pas la moitié de ce qu'on te demande de faire. Ben ce boulot, c'était la seule manière d'avoir un logement dans la ville. Cubicle paye au moins pour ça. Certes, c'est un placard de 2 mètres carrés avec salle de bain sur le palier, mais... Je sais pas, je pensais sûrement que je me plairais ici. Mais j'étais peut-être trop naïve. C'est possible, mais... Au moins tu auras rencontré Messire, Marette. Ouais, tu parles d'un côté positif, hein. Ouais, j'avoue, je suis d'accord. Bon, on y va, hein. On fait straight to the point. Je pense que mon idée de prendre une seule arme au début, c'est bien. Parce que de toute façon, les traversins m'embêtent, les coussins m'embêtent. Mais du coup, il faudrait que je commence directement à taper avec les mains. Dès le début. Oh, y a rien. Obligé de prendre une corbeille à papier. Incroyable, c'est toi. Je l'ai touché, là!
Je sais pas s'ils prennent le feu. Il est mort. Où ça bug? Où ça bug? Vous avez vu ce truc? Ça bug. Ça bugue. Qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre le poker. Hein. Et au moins, il est à tête chercheuse, donc ça va être bien. Alors, le wifi, je vous rappelle, c'est à tête chercheuse. Hein. Alors, là, c'est à 3, à 5, il va me faire loin. Est-ce que c'est le même truc que Smash Bros, ça? Non, je pense pas. On va prendre ça. Je peux pas. Ah, je peux pas. On peut acheter que des trucs nuls. Donc on va avoir confiance dans ce qu'on trouve. Genre un balai. Les slimes, les slimes. Oh là là. Lui, je vais le tuer à la main. Voilà. En fait, je me complexifie la tâche. Je pense que si je joue plus le temps, ça devrait être bon. J'ai perdu quand même en point de vie, mais là, ça va. On va se la jouer tranquille. Le balai, c'est pas mal. Le pistolet, on va essayer. On va essayer le pistolet, parce qu'on l'a jamais vraiment bien utilisé, donc on va voir ce que ça donne. En plus, il y a le feu, donc... Bon, là, par exemple, ça marche pas à travers, bizarrement. Ah, je les boycotte dans le... Le pistolet, c'est pas mal, au final. Pour les trucs à distance, c'est cool. Ça joue un peu safe pendant un moment. Il me reste 3 balles. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Ah, mais il y a un cubicule noir. Attends. Voilà, on va changer de pistolet. Prendre le fusil. J'imagine que ça va taper plus fort. On va match direct. Il est où? Wouah, mais t'es sérieux? Mais c'est pas possible, cette histoire. Mais... Il va loin! Mais c'est pas possible, cette histoire! Je l'ai eu! J'ai plus de vie. Non mais c'est quoi? C'est nul! Donnez-moi de la vie! On va garder ça. On va aller acheter de la vie, je pense. Au final, ça me va pas trop les trucs à distance, hein, j'ai l'impression. J'ai plus de thunes. Bon, bonjour. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur le boss? Disons plutôt que je ne pourrais pas te dire. C'est vraiment un sale type, un ego démesuré, du genre main baladeuse, si tu vois ce que je veux dire. Oh, ça va pas être les mains comme dans Zelda, s'il vous plaît, qui volent les trucs! Ouais, on dirait que c'est un thème récurrent parmi les monstres. Je veux dire les employés d'ici. Ça, je te le fais pas dire. Tu veux un conseil trésor? Fais demi-tour et oublie cette histoire de rencontre avec le boss. Si seulement j'avais le choix. Ouais, tu m'étonnes. Il y a une... Ah, j'étais pas rentré dans cette salle? Ah oui, parce que j'avais vu le cubicle avant. Mais si, je suis rentré dedans. Bien entendu. Elle était juste toute petite. On va dire qu'on va y arriver. Bon, les slimes en feu là, vous êtes sérieux? Voilà, ça c'est fait. Je pense que j'ai même validé mon truc. Mais je peux pas faire le badge monstre à la main, il est pas validé. Ah oui, parce que je suis peut-être pas avec le bon tuteur. Oh non. Non, mais si, ça marchait depuis une table là. Pourquoi là ça marche plus? En cas de dégâts, réponse choquante, ça je suis très content. Prendre ça. Ouais, c'est très bien.
Dur. Dur, en plus, là, je vais grignoter des gâteaux, je pense. J'ai envie de grignoter. Attention, ASMR gâteau. Ah oui, du coup, en fait, le temps que j'attende, elle pose son arme. Mais t'es sérieuse? Ne fais pas ça. Déjà qu'on galère à les trouver. Bon match. C'est encore un volant. Oh là là, il est archi violent. Petit ami conquis. Bah, c'est très bien. Alors, qu'est-ce que tu as dedans? Une application, c'est très bien. Auto-soin, c'est très bien. L'utilise maintenant. Fais du yoga. Et voilà. On prend de la vie. Et encore. Et c'est bon. Allez, hop, c'est parti. Les colis cubicules contiennent un objet en plus. On va reprendre ça. Si vous mangez, votre force augmente pendant un instant. C'est quoi ça? Besoin d'un coup de boost? Non. On a besoin de vie en fait. De toute façon, j'ai pas assez. Ok. Faut qu'on y aille vite là. Parce que maintenant que je suis équipé d'un petit ami. Qui vole en plus. Voilà. Là, on est bien. On va voir la malédiction vite fait. Qu'est-ce qu'il propose? Pendant les 3 prochains combats, vous n'aurez pas de poche. J'aurai pas de poche. Ah, ça veut dire que je pourrais pas m'équiper d'autres armes. Non, mais non. Mais clairement pas. Ça, c'est nul. T'as de la vie en tout cas. Je pense que c'est le bon perso à récupérer pour faire l'union. Voilà. On va pas sauter un peu. Et on va prendre l'appli. Ah oui, il fout le feu quand même. Hop, comme ça c'est fait. Ah, je l'ai battu entièrement à main nue. Faut le battre entièrement à main nue. Oh là 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 là. Il fout le feu partout, ça va être l'enfer. Il me faut un truc en plus là. Je vais pas prendre ça, non. Ça. Non, ça. L'as de cœur. L'as de carreau. Voilà, et on va aller là, d'abord. Petite réduction dans toutes les boutiques, c'est pas mal. Oh, chance de critique, c'est mieux. Le but, c'est de battre le niveau, hein. C'est pas de payer des trucs pas cher. Utiliser c'était nécessaire je pense pour avoir celle-ci, l'internet des objets, donc tout est à distance j'imagine. Non, c'était pas là que je voulais aller, c'était là-bas. Là, je sais pas ce que c'est un check, ça doit être le super boss, le mini boss. Ok, wow. C'était vachement bien l'internet des objets. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il fait? Voilà, hop. Ah, c'était ça la soirée. La soirée pizza? Bah, c'est bon, là. Il y a encore un objet qui vole. C'est très bien. On va faire de l'auto-soin parce qu'on en a besoin. Voilà. C'était un peu gratuit, hein, l'auto-soin. Hein. C'est juste que j'en avais besoin. Non, mais il faut que je change de l'as de carreau. On va prendre ça. Toujours là? Ouais, toujours là. Ok, c'est parti. Oh, il est dur, lui! Je te permets pas, déjà. Qu'on soit bien d'accord. Quoi? Wow.
Satisfaction guaranteed. C'est dur. Voilà. Là, vous avez entendu un ASMR de mâchage de boutons. C'était très dur. En plus, il m'a quitté au début, en fait. Je remarque. Les gros projets deviennent plus gros. Intéressant. Ah, je suis un grand projet. Là, je crois qu'on est pas mal. C'est le boss, là? Non, c'est le troisième niveau. Faut que je garde de la vie. Que je récupère de la vie. C'est nécessaire. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah, ça fait des flammes. Ok, moi je suis pour. Voilà. La masse est bien aussi. On va aller là. Bon, il y a que... Je suppose que si je casse tout, il y a quelque chose qui... Bon, on s'en fiche. On match. Il est réussi? Il est amoureux? Oui, très bien. Très bien, très bien. On prend l'as de car. J'ai de la vie. J'ai un fusil. Est-ce que j'ai besoin de fusil? Non. On continue. Hop. Merci Slime, hein, de faire le boulot. Hein, parce que... Ah, elle est morte, je pense. Voilà. Le slime est bon. Je pense qu'on est bien équipé en fait en deuxième perso, je trouve. On va prendre celui-ci parce qu'il va se casser. Hop, la compétence ici. Je pense qu'au niveau des compétences aussi, c'est pas mal. Votre premier coup critique sur un 1. Plus de dégâts avec les objets lourds. On va prendre ça. Moi, je veux les coups critiques en fait. Les coups critiques, je pense que ça va nous faire un petit gain. L'as de carreau, il est efficace. Hein. Purée, c'est un truc de foufou. Un truc de foufou. Ah, donc ça va être très important pour la suite. Ça, c'est la Styx Bar. Un encas en béton pour les abdos en acier, c'est pas mal. Il nous faut de la vie, en fait, clairement. Un demi pour les démons de la drague, c'est pas mal aussi. Quand vous aurez besoin de passer le temps, on va prendre ça. Parce qu'en fait, là, on va avoir un besoin de vie dans pas très longtemps. Je vais prendre ça en échange. Voilà. On va prendre. Tu as déjà parlé aux lavettes ou pas? Ce sont les petits mecs volants? Oui, voilà, l'un d'entre eux n'arrête pas de me spammer en MP et pourtant j'ai pas répondu depuis des mois. Fais-moi confiance quand je te dis de filer ton numéro à personne, ici, peu importe à quel point il complimente ta jolie queue de cheval. C'était pas prévu, merci. Attends, tu trouves vraiment que ça fait joli? Oh, trésor, tu peux pas tenir 10 minutes en bas. Ok. On prend de la vie. Et vous êtes invulnérable un peu plus longtemps après chaque cours, c'est très bien. Voilà, hop. on va y arriver. On va y arriver. Avec notre slime en plus. Oh, il se divise avec les trucs en coupant. C'est vraiment l'enfer. Ça, c'est pas mal les fragments. Et mon slime, il est mort? Non, il est toujours bien. Ok. C'est parti. On va pouvoir les figer. Thank you.
Elle est où? Elle est là. Ok, c'est bon. Delivery for Jack Welling. Delivery pour Jacqueline. Bon, je mâche le bouton, je suppose que vous entendez un peu, mais c'est pas grave. Vos coups critiques électrocutent les ennemis. Bah, c'est très bien, on a augmenté les coups critiques, je suis très content. On va prendre ça. Ah non, mais ça va se casser. Et bah voilà. On lâche. Et bah voilà. Oh la vache, ils étaient là. Ils ont parlé de moi. De quoi vous parlez? Oh my god, le couple le plus mignon du monde était juste là, enchaîner les verbes juste de confiance. De jus de confiance. J'ai écrit mon numéro sur le reçu. Tu crois qu'ils m'ont vu? Vous venez de me dire de ne jamais donner mon numéro. Mais t'as pas vu ces démons, trésor. C'était une excité. Absolue et torride. Qu'est-ce que je n'aurais pas pour être le salami dans leur sandwich? Ok. Ok, j'en ai assez entendu. Eh bien, je pense qu'on est parti pour faire le boss, hein. C'est le boss. Est-ce qu'on est bien équipé? Oui. Ouais, donc c'est les mains, purée, c'est abusé, j'en peux plus. Narcissisme banalisé, la démoticône. Oh! Mais il est sérieux? Donc il y a une main déjà moins. C'est vraiment les mains de Zelda, j'en peux plus. Allez, allez, allez. Mais pourquoi je flambe? Pourquoi y'a des trucs en feu? Oh là là, dur! Allez, allez! Voilà, c'est bon. C'est bon! Deuxième niveau. Je l'ai bourriné. J'ai fait exprès de le bourriner, mais parce que j'en pouvais plus en fait. Là, j'ai. En fait, les coups critiques étaient efficaces. Je sais pas si c'est. je sais pas si c'est recommandé de jouer comme ça, mais bon. On l'a fait. Mais par contre, les mains, je peux pas, je supporte pas les mains dans Zelda. C'est un peu un traumatisme d'enfance, même. Le coup du rattrapage pour pouvoir, etc. Donc du coup, j'ai un peu oublié les mains à la fin. Mais le feu, j'ai pas compris, en fait. Il y a des moments où j'étais en feu, apparemment à cause de mon arme. C'était limite, hein, on voit au niveau de la vie, c'était compliqué. Idiote, pourquoi tu pourris notre vibe comme ça, Blob? De quelle vibe vous parlez, d'accord? D'abord, celle où vos bureaux ressemblent à un mélange entre une boîte de nuit et un vide-grenier spécial bougie? elle la tue et... Oh la vibe qui... Ou la vibe qui oblige tous vos employés à porter ces costumes ridicules. J'avais pas dit que je devais inverser la caméra, d'ailleurs. C'est pas... Ça fait un peu bizarre, mais... Personne n'oblige personne à rien, c'est juste forcément fortement recommandé, comme ça ils peuvent s'exprimer blob blob. Un PNJ sans cerveau comme toi ne peut pas comprendre ça, tu vois. Je supporte pas cette utilisation du mot PNJ. Tu répètes simplement ce que la société te dicte, tu as peut-être gagné ce combat, mais Winkendink se bat pour un idéal noble, et les idéaux ne peuvent pas être vaincus. Et bah écoute, tu es liquidé. De toute façon, on s'en fiche. S'en fiche de ta vie. Tu n'étais que toxique. Une façade pour masquer votre vrai visage augmente votre santé. C'est tellement true to life. C'est chaud. C'est chaud. La pause qu'elle nous a fait en montant, trop bien.
Bon, on l'a fait. On a plein de trucs, on va acheter plein de trucs. J'ai deux niveaux de... Ah, j'ai électrocuté des gens, c'est pour ça. Oh, j'ai des compétences validées. Mendiant violent, c'est bien ça. Et ben voilà. Comme quoi, c'était important hein, de continuer. Comment ça avec le donjon, Jackie? Épuisant. Douloureux. Bref, comme d'habitude. J'ai votre machin maudit, ou je ne sais quoi. Je sais même pas si je veux savoir ce qu'il fait, celui-ci. Seulement si tu aimes la productivité. Ces répliques s'appellent le masque toxique. L'histoire raconte qu'à Winkedink Inc., les comportements inappropriés et les violations du règlement étaient légion, et que le moral des employés était en chute libre. Mais après la création de ce masque arcanique, les plaintes au RH ont immédiatement chuté de 100%. On dit que son regard troublant a encouragé les employés à adopter un comportement irréprochable. Rien chez ces démons ne ressemblait à un comportement irréprochable. Je suis plutôt d'accord. Vous êtes sûr que rien d'autre ne peut expliquer l'arrêt des plaintes? Désolé, Jackie, je ne pouvais pas t'entendre. Bah, en fait, le manque de RH en général, ou le RH qui est, ou la RH qui est de votre côté? Sous la mélodie de la cohésion salariale. Comment te sens-tu maintenant? Capable de donner le meilleur de toi-même? C'est quoi cette sensation? Je voudrais exprimer mes craintes sur ces reliques, mais les mots ne sortent pas. C'est comme si quelque chose m'empêchait. Je me sens bien, mais je suis parfaitement à l'aise avec tout ça. Vous avez d'autres bidules magiques que je dois aller chercher? L'ambiance générale s'est déjà tellement améliorée. Il reste encore une relique dans les tréfonds de la dernière start-up. Continue, Jackie, c'est du bon boulot. Nous sommes en passe de réaliser des grandes choses, je le sens. Bah, en fait, là, on est en train de... Ok, car merci de t'être occupé de ça pour moi. Je t'en prie, ce n'était pas trop compliqué. Tu es déjà allé dans l'app shop, Jackie? Non, c'est quoi? Bah, app comme appli, pas besoin de t'expliquer. C'est bon, ouais. Et shop pour boutique. Donc visualise une boutique qui vend des applis. Évidemment, merci, Kara, c'est cool. Tu devrais y jeter un œil un jour. Enfin, personnellement, je déteste trop... je déteste. Trop corporatiste pour moi. Mais ça peut être pratique, on ne sait jamais. Je regarderai ça, alors. Tout, 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 tout. Tu n'as pas l'air d'avoir beaucoup d'amis, baby. Toujours aussi délicat, Marais. Pour Marais. Marais, oui, il s'appelle Marais. Pour ton information, j'avais beaucoup d'amis chez moi. On a juste pris des chemins différents. Et il n'y a pas honte à voir. J'apprendrai quelques potes du donjon pour qu'ils traînent avec toi. Ne me dis pas que certains de ces monstres sont tes amis. Pas de discrimination. Les monstres sont plutôt cool quand tu les connais un peu. Ils sont courants qu'on est là pour tuer leurs collègues ou pas? Oh, ne fais pas comme si tu n'avais jamais eu envie de faire pareil. Tu marques un point. C'était notre bonne... Bon, je vais faire petite pause gâteau. Faut que j'éteins 5 feux avec de l'eau pour pouvoir augmenter tapis. Vas-y, on achète tout. On va discuter avec tapis. Tu n'as rien marqué de différent depuis l'installation de ce masque bizarre? Comment ça différent? Ben, je buvais mon bubble tea à mon bureau comme d'habitude. Et là, Ray est arrivé vers moi et on a bu une grande gorgée sans même me demander. Il a dit hop, un autre goûter, juste avant de partir. Ça veut dire quoi ça? J'en sais rien, j'étais vraiment trop choqué pour réagir. Et ce n'est pas tout, mais j'ai l'impression que ce masque m'observe. Là, près de la fontaine à eau. J'en avais la chair de poule, j'ai l'impression que si je fais une remarque, quelque chose d'horrible va arriver. Je crois que je vois ce que tu veux dire. J'espère vraiment que Marv sait ce qu'il fait. Donc, on parle du burn-out au début, avec la première relique. La deuxième relique, c'est le harcèlement au travail. On est dans les clous, hein. Et tu sais ce que c'est le slime? Ce truc dont les slimes sont faits. Oui, bah oui. Et si tu remplissais tes poches avec, ça serait bizarre, hein. C'est tout. Ok, du coup, faudrait que je retourne dans Weekending pour faire ça. Bon. Faut qu'on aille à Sticks & Co, là. On va regarder un peu les compétences qu'on peut choisir, mais je pense que la première compétence est bien. Tapis aussi cool. Moi je préfère tapis comme tuteur, perso.
Le colis contient un objet en plus, bouger et attaquer plus vite. Plus il y a de gens à proximité, plus vous gagnez en force. Une réponse. Ah, ça c'est pas mal en début. En début, c'est pas mal, mais le problème c'est que j'ai toujours mon truc de. Ouais, il faut que je batte les gens à main nue, donc. Bah voilà. Mendiant violent, on va prendre ça. En fait, j'aurais peut-être pas dû changer, mais c'est pas grave. Surconception, Styx Coin, soumission au lobby, résurrection des corps, localisation des paradis fiscaux, croissance incontrôlable. J'aimerais bien avoir ça comme fond d'attente, sans le Styx. Hein. J'aime bien l'idée de l'eau, enfin c'est un peu de l'eau. C'est flatterie des égos. Ouais, c'est le Bitcoin, NFT, Nifty, tout ça. Oh, le Rubik's Cube, on va prendre direct le Rubik's Cube. Moi, je veux savoir comment on l'utilise. Et la calculatrice, je veux savoir comment on l'utilise aussi. Je sens que ça va être l'enfer. On va utiliser le Rubik's Cube. C'est quoi ce zombie? Pourquoi ils sont tous morts? Ah, c'est rapide, hein. Ah, je gagne des bitcoins, mais vous êtes sérieux? Tiens. Putain, il y a vraiment des trucs volants, j'en peux plus de leurs trucs. J'ai bu quoi là? Ah, mais j'ai de la défense maintenant? Pourquoi j'ai de la défense? C'est à cause de mon truc là, de ma compétence? Bah non. On va prendre la pioche. La masse d'os, non, la pioche. La pioche. Voilà. Et bah, la calculette, on va pas utiliser, donc on va utiliser la calculette. Josh Patella, Styx Coins Evangelist, there is no totally enough for even. Bien sûr. C'est vrai. Oh, c'est bien. Moi, je suis pour l'utilisation du matériel scolaire, hein, perso. On va prendre le rapporteur. Il y a un truc en dessous ou c'est moi? Non, c'est moi. Ok, bon, là, on est bien. On va prendre ça, hein. Et on va prendre le. On va rester en mode mendiant. Oh, je suis une reine. Trop bien. Alors, le côté musique là, je valide pas. Oh, mon Dieu. Je peux mettre des chapeaux? Je peux mettre des chapeaux! Du coup, j'ai gagné de la thune en Bitcoin, mais je fais quoi avec ça? Ah, je peux acheter ça, des cœurs. Oh! Mais c'est légal ça? Bah oui, un cœur humain, c'est légal ça? Wouah! Salut! Eh, tu as des. Eh, mais c'est une ref à. C'est une ref à comment, Undertale? Comment il s'appelle? C'est Zéro? Je crois que c'est Zéro, je sais plus. Si, tu as des sticks coins du. J'ai du bon matos. Je croyais que vous n'acceptez que le liquide ici. Pff, non, 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 les sticks c'est l'avenir. Le cash c'est mort. Le dollar néo-cascadien va bientôt s'effondrer, genre dans 5-6 ans. Tout le monde sera là, c'est quoi un dollar? Jamais entendu parler. Mec, ça pue. Jamais entendu parler, ça pue ce truc. Oh, ok, mais vous vendez des trucs en dollars, genre juste là à droite? Non, pas moi, c'est clair. C'est un abruti de nos coiners avec qui je suis obligé de partager la boutique pour réduire les coûts. Tu ne lui as pas parlé, si? Ne te laisse pas pigeonner. Quoi? J'étais sûr. J'étais sûr. Ah oui, c'est 100. Et là, c'est zan. C'est 100. C'est ça. C'est pas zéro, c'est 100. Tu as récupéré des sticks sur des squelettes, pas vrai? Pas volontairement, mais oui, je suppose que vous en voulez. Sûrement pas, le cash reste croix, et le stick est sur la pente descendante maintenant. Tu ferais mieux de tout échanger avant qu'il ne touche le fond, ma popote. Je te garde tout ça au chaud en attendant. Alors, 2200, c'est 9. Donc là, ça voudrait dire que j'ai 12. Je garde là-dessus, non? Cassez-vous.
Oh là là là, il me demande de penser comme ça, je n'y arrive pas moi. Enfin, j'y arrive pas. Oh, un Rubik's Cube. Commencez à gagner des scrims, devenez un mineur dès maintenant. Bah, si tu veux. Je mine, je mine, je mine, je mine! Miam Milou, c'est quoi ça? Attendez, je vais miner, 2 minutes. C'est quoi ces armes? Ah, c'est la masse. Moi, je veux m'équiper de ça, hein. Et si je lance? Ah, mais on est à côté, il y a des serveurs, j'avais pas vu. Ouais, si je lance, ça reste au milieu. Ah, c'est pas mal comme idée. On prend la vie. Bah, pars, hein, si tu veux. Le marteau buriner. C'est plutôt petit, j'ai l'impression, du coup, ça va être pas mal. J'ai toujours le rapporteur et j'ai ce truc là qui sert à rien, je pense. On peut prendre le chariot. Oh, il y a un truc là. De la masse. Ça c'est de la vie. On va prendre le ça parce que je pense qu'on en aura besoin à un moment. Ok. On est vraiment dans un... C'est la patrie du minage là. J'ai pas l'impression qu'ils me font tellement mal en fait. C'est ouf. Peut-être que j'évite bien. Oulala, y a... ça par contre je suis pas d'accord. Donc là, on n'est plus en mode donjon scroller. Hein. C'est clairement, on va. Enfin, si. Mais on va tout droit, quoi. Attends, je peux prendre. C'est quoi la défense? Je comprends pas. Bon, c'est pas grave. Je peux monter, non? Ah, je peux l'utiliser. Ah, c'est cool. Ah, pour l'instant ça se passe bien, hein. J'ai perdu pas beaucoup de vie. Hein. Peut-être qu'on va prendre le ça. Voir ce que ça donne. Y a pas grand chose. Hein. Y a des armes que j'aime bien, mais pas grand chose. Ah! Ah! Ça pue le caca. Voilà. Je savais que j'allais en avoir besoin de ce truc. Oh, il y avait des bombes partout. Oh, j'ai de la chance de fou fou fou. Bon, je garde ça, je garde ça, je garde ça et je vais prendre ça. On est bien, hein? On est bien. Tu 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 tu. Oh, le S, le fameux S. Wow. Je te permets pas. Voilà. Changez vos trucs contre des trucs superbes. Vitesse d'attaque augmentée, bah je veux. Attends, mais c'est sérieux ça? Oui, il est en train de me chercher encore. Je vais prendre l'auto-soin. Je vais prendre l'auto-soin. Je l'annonce. Un peu de yoga, et on est parti. Pour ceux qui ne distinguent pas leur droite de leur gauche, et on va prendre la pelle. Ah non, peut-être pas la pelle. Il n'y a plus de C. Il y a quoi là-bas? La pelle, là, elle est bien. Ok, on va prendre. En fait, j'aime bien les montres. Je trouve qu'ils sont assez cool si vous mangez. Et non, on va prendre ça.
La rancune. Comme ça nous fait notre combo avec ce qu'on avait déjà. J'aime bien le monde. Il y a des moments où... Never stop digging. Ouais, bah ouais, c'est ça. C'est un peu ça. Et donc là, c'est quoi le... Pendant 5 combats, vos ennemis riront les derniers. Comment vous vous êtes retrouvé à tenir une boutique ici d'abord? Il n'y a pas si longtemps, Gossa, je dormais dans, dans un petit cercueil, dans une crypte en ruine avec à peine un sou en poche. Et il s'est passé quoi? Quelque chose a changé ma vie à tout jamais. J'ai rencontré cette merveilleuse voiture. Et le reste, c'est l'histoire ancienne, ma bonne amie. Mais je sais pas ce que ça veut dire. Bon, on va prendre. On va voir après. C'est quoi la mallette? Ah, c'est la mallette de... Ah, c'est pas mal. Si c'est la mallette de l'agent 47, je valide. Je valide de ouf. Là, alors, il y a eu un bug dans, qui est utilisé encore maintenant dans Hitman. C'est une mallette qui poursuit les gens. Donc, on va voir ça. Bon, c'est pas ça du tout. Il y a de la thune dedans. C'est nul. Je suis en feu. C'est l'enfer. Fallait tuer juste les chiens? Tout ça grâce à mon super rapporteur, donc là j'ai bien fait de le prendre. On va prendre la masse. Bah c'est pas mal pour l'instant, mais... J'ai vu... Non, j'ai pas vu... Oh là là, c'est pas possible cette histoire de vie. Cette explosion, mal placée. Oh là là, non mais... Alors là... Alors attendez, je vais regarder la map, parce que on n'a pas vu de... Je soupçonne que après c'est justement le truc de vie. Donc on va regarder. Bah non, c'est pire. Wouah. Oh! Mais je croyais que j'étais loin! Aïe 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 aïe. C'est dur, c'est dur. Pourquoi je deviens bleu? Ah oui, il est en mode luminosité. Ouais, j'ai l'impression. Oh là là. Bon. C'était le premier test et on est allé plutôt loin. Épée de légende. Les attaques chargées avec des armes aiguisées tirent des lasers. C'est pas mal ça. Lorsque vous faites une roulade, le sol s'embrase derrière vous. Ah ouais, non, mais ça, c'est un truc à. C'est la seule chose qu'elle est. Yit. Vos roulades infligent des dégâts, ça, je veux bien. Vous portez les armes à deux mains d'une seule main. Non, je veux pas ça. Tabi. Pourquoi tout le monde se remet à parler de crypto-monnaie tout d'un coup? Je pensais que c'était fini tout ça. Je ne comprends même pas en quoi c'est différent des monnaies normales. Eh bien, tout un tas de gens vont te parler de toute la super technologie qui est en œuvre, mais ce n'est sûrement pas ce qui t'intéresse et ce n'est même pas si super que ça. Tout ce que tu dois savoir, c'est que contrairement à une monnaie nationale où le gouvernement peut imprimer à volonté et faire ce qu'il veut avec, la création de crypto-monnaie est contrôlée par une sorte de code. Comme ça, rien ni personne ne peut faire de faux ou tricher sur qui en a combien. Je crois que c'est pas trop mon rayon, tout ça. Ça veut dire que la monnaie est genre plus stable au final? À vrai dire, pas du tout. Et en plus, le code, c'est quelqu'un qui l'a fait. Jeune fille, tu empêches le guano de chauve-souris et les chips au silicone. Ben, j'étais dans une mine remplie d'ordi géants, alors c'est logique. Ah, les souterrains universels, si beaux, et pourtant on a l'impression qu'ils pourraient nous avaler et nous consumer à tout moment. Exaltant, non? Je n'ai pas franchement eu le temps d'admirer l'architecture, j'étais un peu occupé à dégommer des squelettes. Ah, tu es tombé sur un os, hein. Je crois que j'ai le fusil qu'il te faut. Que penses-tu d'une bonne canette de Expresso Barbecue? Je vais plutôt tenter ma chance avec les squelettes, merci. Comme tu voudras. Je suis d'accord. Je vais faire un truc là tout de suite là parce que ça me stresse. Je suis désolé. On va faire ça maintenant. Je vais inverser la caméra. Alors, je crois que il suffit juste de faire un truc genre. Je sais plus quoi.
3D transform, je pense que ça peut être suffisant. Orthographique, perspective, non. Rotation. C'est pas du tout ça. C'est pas loin, mais c'est pas ça. C'est pas loin, mais c'est pas ça non plus. Scale, shear, advanced, roll, twitch. Non, non, non. Bon, ça doit être ça à peu près, mais je vais faire. Émotion de douleur supprimée, oui. Et je vais changer peut-être ailleurs. En fait, le truc, c'est que j'ai trouvé, mais c'était très chum. Et je sais qu'il faudrait que je fasse plus d'effets, donc je vais laisser comme ça. C'était marrant. On s'est bien amusé pendant quelques secondes, mais sinon, voilà, c'est tout. C'est pas grave. Faut que je me laisse faire. Et le stagiaire, je peux te demander un service? Je suis contractuellement obligé de te dire oui. J'ai fait des horaires de malade pour mettre au point cette fonctionnalité et j'ai pas eu le temps de sortir éclair. Oh, je vais sortir le chien. Tu pourrais l'emmener faire un tour dans les donjons? Je suis pas sûr que ce soit le bon endroit, mais d'accord. Tu pourrais l'emmener faire un tour dans les donjons juste quelques états, ça devrait suffire pour voir qu'elle se défoule un peu. Tu sais, c'est un peu hyper dangereux là-bas. Hein? Je veux pas être responsable si un truc tourne mal. Éclair est la chienne la plus coriace au monde. Elle peut gérer tout ce qu'on ton donjon a à faire. Ah, dans le ventre. Elle pourra même t'aider à une fois là-dedans. Bah vas-y. À l'étage moins 3 de n'importe quel donjon, d'accord. Faudrait que j'embarque. Vous pouvez me parler de Stixcoin, Ray? Et comment je peux. Stixcoin a littéralement dominé le marché de la crypto-monnaie il y a quelques années. Ton inventeur était un type super jeune lui aussi. Son inventeur était un petit à peu près de ton âge ou celui de l'autre là qui tient le café. En quoi c'était si génial? Ça c'est plutôt une question pour le gros geek. Les gros geeks. Tout ce que je sais c'est que les gens sont devenus plus raides, dingues, les passionnés comme des investisseurs. Il y avait des rumeurs qui disaient que si tu en ramassais suffisamment. Qu'est-ce qui se passe? Je reçois des messages. Oui. 18h30 pour le JDR. Il va falloir que je fasse une pause juste 3 secondes. Il y avait des rumeurs qui disaient que si tu en amassais suffisamment, ça pourrait te ramener d'entre les morts ou je ne sais quoi. Ouais, mais ça peut vraiment pas faire ça, hein, c'est juste une monnaie virtuelle. Le monde de l'investissement ne se préoccupe pas de ce qui est vraiment possible petite, mais de ce qui pourrait l'être. Est-ce que Fuzzle contient vraiment des fruits d'aussi loin que les types qui ont de l'argent sont concernés? La réponse est oui. Ok. Je vais faire une pause juste 3 secondes. Je vais vous laisser juste en bas. J'arrive. Bonjour, j'ai libéré le chat. Il y a le chat qui va miauler, je pense, plusieurs fois, mais je l'ai mis au soleil, donc ça devrait aller. Parce que je crois que c'est un chat qui a besoin de soleil. Alors, je reviens, je remets la cam. Voilà. Bonjour, bonjour. Je suis toujours là, parmi vous. On finit. Oui, bonjour le chat. Tu vas bien? Alors, il nous faut quand même bien, être bien équipé. On va prendre encore un papier, c'est pas grave. C'est quoi ça? Un oreiller câlin? Ok. Mais pourquoi je suis là? Pourquoi je suis chez eux? C'était pas du tout là qu'il fallait aller. Pourquoi je refais ce monde? Qu'est-ce qui se passe? Il y a un truc que j'ai fait qui était mauvais. Je me suis trompé de descente? Ah oui, j'ai dû me tromper. Ouais. Bon. Hop, hop, hop. C'est pas grave, on récupère que de la thune. La compétence et de la thune, et on a un chat qui va s'énerver. Allez hop, c'est parti.
On va faire d'une traite, hein. On va aller vite. Enflamme parfois les ennemis. On va faire ça. On va lancer du feu, on va voir si ça s'enflamme. Non, c'est pas pareil qu'il fallait. Non. Ouais, je fais n'importe quoi, moi. Voilà, le feu qui est en flamme. On récupère de la... c'est bien. C'est bien. On va... Faut qu'on aille chercher les compétences, là. Hein. Je suis en train de remarquer. Ah, il y a des cadeaux. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Don de l'arme. Ok, super. Il y a peut-être des trucs à refaire, hein, mais... Je serais très motivé à continuer le jeu avec Working From Home. Juste pour voir. J'ai l'impression que Wizbot, il s'est endormi. Attends, 2 minutes. Est-ce que Wizbot, tu t'es endormi ou... Qu'est-ce qui se passe? On n'est pas à plus de 2 heures, hein. Il est pas censé nous tenir au courant, Wizbot? Si? Ça fait 3 heures. Wizbot, tu dors? Wizbot, t'es plus là. Discord for streamers. Qu'est-ce que tu fous là, ce Discord for streamers? Genre, qui m'a partagé sur Discord? Ou est-ce que j'ai fait quelque chose pour que Discord soit là? Je sais pas. Je sais que j'aime bien Discord, mais... Ah, il s'est peut-être lancé, attendez. Je regarde vite fait. Peut-être lancé, non? C'est pas ça? Non. En fait, c'est une question que je me pose, c'est est-ce que ce serait bien de faire un Discord pour la chaîne? Déjà, je me pose déjà pour une star, donc... on va valider. C'est quoi ce truc? Encore hein, quelqu'un qu'on n'a pas vu. Il a un pistolet et c'est... Le mec, il est dans une chaussure, mais qu'est-ce qui se passe dans ce monde? J'ai un chapeau. Je peux porter des chapeaux, moi. Trop bizarre. J'ai pas compris l'histoire des chapeaux. J'ai fait quelque chose pour porter les chapeaux? Ah oui! C'est vrai qu'il faut que je fasse le truc avec le slime. J'ai oublié si ça... Bottes de cowboy. Bah écoute, on va utiliser ça. Hein. Vous avez vu la fourche ou pas? Tous de dégâts, wesh. C'est qui me lance du slime? Ah oui, c'est le truc que j'ai débloqué récemment. Okay. Bon, bah on continue, hein, écoutez. Faut que j'aille jusqu'au moins 3 pour pouvoir avoir le yinche en plus, éclair. Ça fait 3 heures et Wizbot qui m'a même pas réveillé. Wizbot, hein, t'es censé te dire toutes les heures, hein. Tu dors un peu, je trouve. points de vie. Ah, dommage. J'ai réussi à faire bugger le truc, quoi. J'ai réussi à faire mes 10 points de vie, là. Du coup, je sais pas comment on récupère les slimes, par contre, à la main. Et l'histoire du feu, dès que t'arrives, c'est cool, hein. On va aller chercher les compétences. J'ai l'impression que je fais plus facilement le niveau, peut-être parce que j'ai plus l'habitude maintenant. Revenez à la charge après une défaite, ça c'est pas mal. On va faire celui-là. Ça veut dire que si je meurs, je reviens. Maintenant qu'il n'y a plus de boss, en fait, les gens ils s'en foutent. Ils sont plus là. Sache que je m'en fiche en fait. Ouah, on va se calmer tout de suite. Voilà. Comme ça c'est fait. On va pouvoir revenir à... Ah mais c'est vrai que je suis pas...
C'est vrai que je suis pas mort, j'avais oublié cette histoire. Du coup, j'ai fini. Aïe, 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 aïe. Ah, quelle est la malédiction? Vos ennemis riront les derniers, mais ça, je sais pas ce que c'est en fait, donc on va tout prendre. Hein. Le truc à chapeau, je sais pas. On va aller peut-être acheter de la bouffe. J'ai de la thune. Ah, c'est j'aime bien ça. Bon, tant pis. J'aimais bien, mais c'est pas grave. Là, je suis en train de refaire le monde que j'ai galéré à faire. C'est trop marrant. Et je suis plus facilement équipé, j'ai l'impression. Alors, j'ai les cadeaux, je sais pas ce que c'est, mais ça a l'air d'être efficace. Hein. Alors, toi, tu veux... Tu... Non. Déjà. Je reviens ou pas? Voilà, je suis revenu encore. Ah, excuse-moi. Voilà, comme ça c'est fait. Thank you for your business. C'est un truc de ouf hein, ce qui se passe. Hein. On va réussir à aller envoyer. On va promener vraiment le Yinche là. On est parti pour ça. Je m'attendais pas à ce qu'on fasse aussi facilement. Voilà, fini. Donc du coup, love. Obligatoire. Le feu là, il est archi efficace. Ah oui, je me suis brûlé tout seul, du coup. En prenant la vie. Dane. Bon, bah c'est pas grave. Le feu, c'est incroyable ce qui se passe. Ah, il a explosé, mince. Ah, mais toi, t'es avec moi, excuse-moi. Je vais essayer de te taper. Oh, il a explosé. Là, c'était la dernière. Bon, c'était très bien. Je sais même pas si j'ai réussi à balader le Yinche. Non. Je pense qu'il faut que je l'équipe, le chien. Salut, Nibbler. T'es sur retour? J'en suis au troisième donjon, mais je me suis trompé là, j'ai fait le deuxième, sans faire exprès. Misclick. Je voulais pas prendre ça, moi, à la base. On va discuter avec. Ah, avec Tapis. Bon, c'est une idée loufoque, mais on n'a pas vraiment le choix si on veut finir ce projet sans exploser le budget. Je vais grappiller un peu d'argent et investir dans la crypto-monnaie. Ça va à l'encontre de mes principes, mais on n'a pas le choix. Ok, t'es sur le retour du coup. Et Nibbler, là, je suis dans le monde de la crypto-monnaie. C'est trop bien. Je suis très heureux. C'est la fin après. Ça va à l'encontre de mes principes, mais on n'a pas le choix. Tu pourrais vérifier le taux de change vite fait et prendre la température du marché pour moi? Et si je savais ce que ça voulait dire, bien sûr. Essaye de gagner un peu d'argent avec la crypto, ok? Si toi tu y arrives, je suis sûr que toutes les personnes financièrement compétentes peuvent le faire aussi. Enfin, sans vouloir t'offenser. Mais non, mais je l'ai déjà fait en plus, j'ai gagné 2000 dollars à la fois. Donc voilà, on a réussi à passer le deuxième monde qui était sur les trucs de rencontre et c'était un environnement très toxique, Nibbler. On a eu le masque de la toxicité. Et j'ai libéré le chat aussi. Parce que bon, le chat avait envie de se faire bronzer. Donc il est en train de se faire bronzer. Tu pourrais me parler un peu des crypto-monnaies? As-tu check ton phone? Oui, j'ai vu qu'à 18h30, on a un JDR que tu organises. Et j'ai mis ce qu'il fallait aussi. Je suis prêt. Pour tout. Tu pourrais me parler un peu des crypto-monnaies? Non. Oh. C'est juste que je dois affronter des squelettes qui sont à fond là-dedans, alors je pensais que tu devrais aimer ça, vu que tu es dans la technologie et tout. Jackie, tout ce que je peux te dire sur les ordis, ça, c'est que c'est nul. Qu'est-ce qui peut te faire croire que je suis à fond dans une monnaie contrôlée par ordinateur? Est-ce que c'est pas genre plus sécurisé? Écoute, Jackie, plus une bande de nerds t'explique à quel point un truc est sécurisé ou inviolable, moins tu devrais les croire. Tu sais comment reconnaître quelqu'un qui comprend vraiment la technologie? Il passe son temps à s'inquiéter. Et je suis d'accord avec toi, Kara, sur le coup. Marv. Je suis prête pour la leçon numéro 3. Leçon numéro 3, les syndicats. C'est la pire chose qui soit. Alors non. Alors là, je suis toujours pas d'accord avec cette personne-là. N'envisage jamais d'en rejoindre un.
Si tu vois qu'un syndicat est en train de se former, tu dois l'arrêter à tout prix, élimine toutes les personnes de la pièce s'il le faut, c'est carrément tordu. Si un business florissant est tordu pour toi, alors tu devrais appeler l'équipe de nettoyage pour le vilain garnement qui se tient devant toi. Ce que vous dites n'a aucun sens. Oups, tu voudrais bien m'excuser, c'est l'heure de mon analyse d'ego méditative quotidienne. Méditative et quotidienne plutôt. Mes yeux resteront grands ouverts et tu auras l'impression que je t'écoute, mais je serai en fait dans un état second, en plein examen, dans le chaque recoin de mon palais mental. Eh oui, adhérer au syndicat, t'as bien raison, Libler. On se voit plus tard, petite, et n'oubliez pas de détruire tous les syndicats. Ah, faut que je détruise le syndicat de Joblin, faut que j'aille à Joblin encore. Ça, c'est des quêtes annexes. Hein. Perso, moi, je vais forcer le. D'abord. Je vais forcer d'abord de finir les donjons et après, on fera les quêtes annexes si vous voulez. Sachant que j'aimerais bien récupérer Working from Home. Alors, j'aime bien les. Oui, mais il y en a beaucoup, hein, en fait. Là, on va se retrouver du côté des gens des Styxcoins qui sont des mineurs. Et en fait, ils sont tous déjà. C'est des zombies. Voilà. Je sais pas quoi dire de plus. Hein. Ah bah tiens. Bah on a acquéri le chien. On va balader le chien. Elle a besoin de courir sur. De se parcourir avec toi. Bah mais déjà là. Mais c'est pas possible. Le rapporteur. Alors le chien. Ah oui. Ah oui. Ah oui, le chien, t'es un peu lourd. Tu me limites un peu dans mes déplacements. Je suis pas très content. Donc là, par exemple, c'est une référence à Sang de Undertale. Sang, qui est un personnage génial. Et donc, du coup, là, il a deux personnalités, apparemment. Il y en a un qui vend avec la vraie thune, et l'autre qui vend avec les sticks coins. Donc, au final, comme tu peux voir, on va prendre un Bob, déjà. Voilà, on va porter un Bob. Et du coup, le truc, c'est que... La voiture, au revoir, ok. Au revoir, salut, ciao. Voiture, au revoir. Je comprends que tu es dans les transports. Tu sais qu'il y a des... Bon, allez, on va essayer d'y arriver. Avec le chien, qui m'aide pas. Ouh là là. Je te permets pas. Ok, on est bien équipé. On va aller voir de ce côté-là. Même si c'est juste le truc. Je sais pas à quoi ça sert. Hein. L'âme d'un ennemi et de son esprit. Bon, on va essayer. Hein. On va voir. Qu'est-ce qu'on peut capturer comme âme? Ah, c'est peut-être les boss. Oh là 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 là. Oh, il y a que du feu. Oh mon dieu. Non, mais le feu, non! Bon, le chien, tu t'avances? J'ai essayé de le capturer, mais le chien plus la carte, c'était compliqué. Je pense qu'on peut pas faire les deux. J'ai détruit un syndicat, là? Ah non, c'est le deuxième niveau. Ok. On va recommencer direct. Il est parti pour. Hein. C'est quoi les nouveaux trucs là? Il y a l'épée. L'épée, on va la prendre. Ah oui, il y a le feu là. Le feu, je suis pas du tout d'accord. Hein. Il y a personne qui veut me parler à part Marais là. J'ai pas envie de lui parler à lui. Baby, il se passe des trucs chelous. Ah bon? C'est comme si ce masque rendait Ray encore plus arbre et fier de l'être. J'ai rien contre les gens bizarres, c'est pas le problème, hein. Mais Tapi, elle a vraiment pas la forme. Encore pire que d'habitude. J'essaierai bien de lui parler, mais pas sûr qu'elle s'ouvre à moi. Tapi, tu es où? Tu es quand même ma tutrice, là. Tapi.
Bon, allez, on va aller voir tapis vite fait. Elle est pas là. Elle est pas là. Ah, je me posais la question de est-ce que la compétence là qu'on a mis mendiant volant validé là est-ce que je peux avoir revenir à la charge après une défaite? C'est pas mal ça, on peut l'avoir dès le début. Quand vous prenez des dégâts, les ennemis proches tombent à la renverse. C'est pas mal aussi. Ça augmente la thune. Et ça augmente la critique. Mais moi j'aime bien le rapport critique là. On va continuer. Mais le problème c'est que y a les hanches. On va essayer hein, avec le chien. Hein. Je pense qu'on va pas y arriver. Hein. Ce serait bien de finir là. Moi, je serais un peu content de finir le jeu, au moins aujourd'hui. Au moins la première partie, faire peut-être après, dès que j'ai récupéré Working From Home. Un bouquet? Ah d'accord. C'était. Je suis très content. Prends ça. Oh là là. Mais je me suis encore baladé dans le mauvais truc! Je peux quitter là? Oui, j'abandonne. Je l'ai déjà fait ça, Wingding! Pourquoi je fais Wingding à chaque fois? Alors que je dois faire Styx Coin. Bon, on y va, hein, parce que j'en peux plus, moi. Sais pas comment font les streamers à faire plus de 4 heures, déjà. Déjà, au bout de 3 heures, hein, je suis déjà fatigué. Marre. Mais bon, on va avancer, on va continuer tranquille. On va voir ce qui se passe. J'ai vraiment pas envie de jouer avec lui, hein, pour l'instant. On va faire ça. Oh, il y avait un mec derrière. Ah! Oh, au niveau des vies et des explosions, c'est compliqué. J'aime bien les chauves-souris, mais faut pas déconner non plus. Hein. C'est quoi ça? Moi je sens. Il y a une chaise qui bug là-bas. Oh le feu, non! C'est vraiment l'enfer. Faut que j'utilise les lampes à gaz contre eux parce que. Il a bien visé lui. Il m'attendait au bon endroit. Non, c'était pas du tout par là que je voulais aller. Ah, j'ai une double photo là, elle est magnifique. Bon, on revient en arrière. Parce que j'ai pas pris la compétence et je vais reprendre ça. J'aimais bien la fourche tout à l'heure, mais je suis pas sûr que ça va m'aider. Ah, il y a un truc qui était là. C'est quoi ça? C'est quoi ce truc? Un rocher? Bon, on s'en fiche du rocher. Ok, on continue. Ah oui, là j'ai que des trucs plus ou moins à courte portée. Ok. Convertir en argent, ça va me faire du 18 plus 2, 20. Je peux acheter le lait. Le lait, c'est quoi? C'est bon pour les os, c'est la vie.
Très bien. On va prendre le lait. C'est pour la vie, donc on va prendre ça. Ouh là là. Je l'ai vu, hein, je l'ai vu passer. Hein. C'est quoi ça? Une lance xagamite. Pas mal. C'est un joli nom. Donc là, il faut que j'accepte le cours du Bitcoin, j'imagine. Je vais d'abord aller avoir la compétence. Là. Il y a un truc qui est tombé. Les attaques chargées avec des armes aiguisées. Bah, tire des lasers, mais voilà. C'est bon? Ah, j'avais pas vu. Je sais pas quand. J'ai dû tuer le principal. Peut-être que j'ai eu de la chance au final dans les autres. Hein. Je sais pas trop. Ah non, le feu. C'est pas cool ça. Ça aurait pu être intéressant. Hein. Le crayon de charpentier, je veux pas. Je veux la pelle. Et on va garder la masse. Alors là, on n'oublie pas, il y a une bombe au milieu, ça va être compliqué. Partout, c'est l'enfer. Oui, bonjour le chacha, comment tu vas? Prendre la pelle. Oh! Je vais dire non, parce qu'il y a trop de choses qui risquent d'exploser autour de moi. Trop de choses. Ça joue un peu contre nous, hein, je sais pas. Ça va le chat? C'était bien ta journée? Tu t'es bien reposé? Oui. Bon, ça va être la teuf. Oh, je l'ai eu à la main. Dane. Rapporteur. Mais c'est tranchant, ça, hein. La pioche, c'est tranchant, je crois. Hein. Ça devrait lancer des lasers, du coup. Inflige temporairement deux fois plus de dégâts au début d'un combat. Beaucoup critiqué, trop... Non, on va prendre ça. Moi, j'aime bien les bloquer. Un peu de stunt. De stun. Plutôt que de stunt. Alors, on va aller là, d'abord. Je peux pousser de la fonte? Attends. What mine is your? Ce que tu mines est toi, est à toi, et... Est-ce que c'est ton après... Est-ce que l'après-vie, c'est ta sécurité? Je suis désolé, j'étais obligé de te casser parce que sinon, t'allais m'embêter, en fait. Piqué de Miam Minou. Okay. Ah oui, ça lance bien des lasers. Exactement. Oui. Ouais, tu vas exploser, hein. Écoute. Tu t'es saboté toi-même, hein, je crois. Hein. Bon, il y a des trucs intéressants, je crois que j'ai vu, mais je les trouve plus. Donc on va continuer. Ok, on prend ça direct. Ça, j'aime bien. Je sais pas pourquoi je l'ai fait maintenant, mais c'est pas grave. Pas très compliqué. J'ai juste pas... Enfin, j'ai pas dû aller très vite, mais sinon ça va. Ok. On continue. J'ai de la thune. Par contre, lui, là. Lui, il est dur.
L'arme est cassée, mon dieu. Qu'est-ce qui se passe? Ouh là là, j'ai plus d'armes. J'ai pas l'impression qu'il prend cher. C'est bon, je l'ai eu. Je peux prendre ça ou pas? C'est tout? Je peux même pas prendre tout l'entièreté de sa personne? Ah, j'avais encore appel. Je l'ai fait à la main presque. On va lui lancer des trucs là. J'ai pas envie de m'approcher de ce truc. Le lait, c'est pour ma vie? Ah non, ça renforce mon truc, j'ai oublié. Il y a la malédiction, mais il y a des compétences. Ah, donc du coup, on va tout convertir 55. Ça va me donner du truc. Et si je garde 9100, je peux avoir quoi? La tête, c'est quoi? J'inflige des dégâts. Et ça, c'est quoi? En encas pour des abdos d'acier. J'ai pas assez pour ça, de toute façon. On va prendre de la vie. Il se met bien, hein. Un peu de protection au cas où. La malédiction, on va voir ce qu'il y a. Vos ennemis ne vous dévoreront pas. Bah, leur santé, mais je m'en fiche en fait de la santé, moi, des gens. J'ai besoin de ça. Oh là là, mon dieu. Ils ont de la plus de défense à cause de l'autre là. Mon dieu. Ouh là là. C'est bon. C'est bon, on l'a fait. Ok, t'as bugué, je crois. Temps d'itération accéléré pour des roulades plus rapides. Je veux bien, hein. C'est très bien. Ça a pas l'air d'être très efficace, mais ok. On est à quel niveau là? 3. Ok. Je suppose que je vais avoir plus de topiqueurs. Hein. Comment ça s'appelle? Les gros mecs là. Les gros mechas. On continue. Ah, la torche, j'y avais pas pensé. Alors tout de suite, non. Déjà. Ouais, j'ai bien fait de prendre ça. Je peux pas prendre ça. Prendre ça. Et du feu, l'enfer. Agrafeuse, non. Par contre, je veux bien ça. Parce que je sais que j'ai toujours mon truc. Je change ça. Et voilà. Ça, je... Ok. C'est bon. C'est toujours actif. Prenez des dégâts. On va prendre prenez des dégâts. Parce qu'on va s'en prendre de toute façon. Mais du coup, il y a le lait de toute façon. Donc on pourra aussi acheter du lait. Waouh, 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 le feu!
J'ai réussi à m'en sortir. Pourquoi il est attaché à moi, lui? Ah, c'est bien, ça. J'ai réussi à lui enchaîner 15 fois, le truc. Ok, je suis vivant. Allez, un peu de vie. Il y a un moment où j'ai plus d'armes, ok. Ça, c'est la masse. La masse, toujours la masse. Ça, non. Ça, c'était bien joué, ça. Là, j'ai bien joué l'histoire du wagon. C'était pour m'évader en plus. Très très bien joué, ça. Et j'ai ça en plus. Eh bien, c'est pas mal, sachant qu'on n'est pas, on n'a pas encore rencontré le store. Oh. Pourquoi c'est dans le noir? Ah, c'est à cause du hacker. Alors, t'as pas de défense, donc casse-toi. Ok, c'est bon. La réaction est bonne, tout est bon. On va aller chercher les compétences, mais d'abord je regarde qu'est-ce que c'est que ce truc. Écran vertical, on s'en fiche, c'est pour du code. De toute façon, on va aller voir là. Donc en fait, il me cache dans la pénombre, d'après ce que j'ai compris. Ce serait bien d'avoir du coup de la vie dans le futur. Dans le futur de la... Ah non, j'aurais pas dû passer par là. Si je peux encore revenir. Ok, super. Là-haut. On convertit direct, on s'en fiche de toute façon. Recevez un réceptacle de vie. Kinetic Ubi. Ok. Oula, ça va m'intéresser. On va prendre la défense. Si vous le gérant de la boutique, j'aurais bien besoin d'un petit remontant. J'en vois pas beaucoup, des comme toi, dans le coin, avec encore de la peau sur les os. Ouais, et j'aimerais bien que ça continue. Vous avez accepté les sticks? Au moins, on ne trouve pas que ça dans le coin. Bah, les sticks, c'est mort, hein. On va les échanger au distributeur, après on pourra discuter. Moi, je vais acheter. Je veux juste la défense. Oui, le chacha. Mais c'est pas encore là. J'ai pas fini encore, tu vois. Oh, le chien. Oh, j'avais pas vu qu'il y avait lui. Wow. Heureusement que je suis équipé en réponse. Hein. Oh, c'était l'enfer. J'ai rien compris à ce qui s'est passé. Et j'ai pas de vie. Je suis très content. Wow. Du coup, je peux aller chercher. Je suis peut-être allé chercher de la vie maintenant. Peut-être qu'il y en a là-bas. Ah non, mais c'est pas là. C'est où déjà? C'est... Donc ça, c'est, j'ai déjà commandé, donc ça, c'est bon. C'est de la vie, ça? Non. Ouais, ça me donne un réceptacle en plus, mais le problème, c'est que c'est pas... Il me faut de la vie! Oh là là... Ça va être l'enfer. Et j'ai une arme en moins. En masse. C'est parti. Oh, ça va, si c'est juste le hacker. Pas de problème. Au niveau de la vie, c'est chaud, chaud, chaud. Ah, oh, je suis invulnérable.
Chaque coup reçu, mais le prochain coup, je meurs. Oh là là, c'est fini. C'est le boss et j'ai rien. Ah mais si, il y a un store. Oui. On va peut-être pouvoir le faire. Marteau suspect, ça va faire des. Ça va exploser ça. Le chat, s'il te plaît. Ça, je sens que ça va exploser. Je sais pas à quel point, mais on va voir. On va l'utiliser. Ah, je suppose que tu as gagné beaucoup de sticks coin. Le racket légalisé, la carte. Ah, ok. Bon, on fait du fonçage dans le tas. Ouh là là. Ah, il a plusieurs niveaux. Le truc a explosé. Le temps de survie là est incroyable. Oh, aïe aïe aïe. Ça va être chaud. On va devoir le faire de loin, je pense. Ténère pour pas grand chose, le chat. Oh non. Ok. Oh là là, bah c'était sûr. C'était sûr. Oh là 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 là. J'étais pas suffisamment bien équipé en matos. En tout cas, j'ai utilisé au maximum, ouais. La perturbation était bien. Mais j'avais pas assez de trucs bien. Pas assez. Ça va le chat, t'inquiète pas. C'est bientôt fini. 30 minutes et après c'est bon, d'accord? On va finir dans 30 minutes, je pense. Ça peut être... on n'aura peut-être pas fini, du coup, le troisième niveau, mais c'est pas grave. J'ai pas envie de vous parler, les gens. J'ai pas avancé dans mes quêtes. Ah, si, apparemment, Marek, il a besoin de dire un truc. Non, mais c'est pas tout de suite. Je viens de passer la journée cernée par des squelettes qui me hurlaient d'investir dans leur crypto-monnaie. Ça rime à quoi, ça? Tu vas pas me croire, mais les investissements, c'est pas mon truc, donc je peux pas trop te dire. Mais les sacs d'os, c'est pas des rigolos. Non, c'est pas vrai. En fait, si, c'est juste le boss. Hein. En fait, le boss, faut que j'ai un truc à distance. Et en fait, c'était pas mal, finalement, le coup du laser. Mais la pioche, elle se casse trop vite, en fait. En tout cas, c'est bientôt fini. Et ça se sent, parce que là, j'ai réussi à traverser très rapidement le truc. Je pense que ça va être cool. Je vais pas prendre le chien, on le fera plus tard, ça. Oh, là, attendez. Parce que là, je suis pas d'accord. Mais s'il te plaît.
Ah, allez, occupez-vous de vous deux. Voilà, c'est bon? On peut prendre les bouteilles maintenant? Ah, bam, dans ta tête. Garde la taille, comme dirait Booba. Alors, qu'est-ce qu'elle me dit? Mais pourquoi je suis là encore? Je me suis encore trompé d'endroit. Je me suis encore trompé d'endroit, j'en peux plus. Je suis fatigué. Ça se voit, hein. Bon, après, c'est pas trop grave de se tromper. C'est juste que... C'est juste que, voilà, il faut que je réfléchisse avant d'agir. J'ai un peu l'impression que la compétence m'aide pas des masses. Beaucoup critiquent et électrocutent les ennemis, c'est pas mal au début. Revenez à la charge, c'est pas mal aussi. Écoute, on va prendre ça. On va essayer de voir ce que ça donne. Parce que ça, j'aime bien en vrai. De l'avoir dès le début, au moins, c'est fait. Et ça permet de les stun en plus. Donc, c'est toujours pratique. On va voir. On va voir si ça fonctionne bien. Alors, toujours pas le chien, hein, on est d'accord. J'aurais dû prendre la torche, ça c'est horrible. J'aime bien le marteau, pas le marteau, mais la pioche est cool à utiliser, je trouve. On va garder la pioche est pas mal. Donc là, il m'a mis un coup ou pas? Non, je crois pas. Parce qu'il a été électrocuté, mais je suis pas sûr que ce soit parce que j'ai pris un coup, parce que j'ai rien perdu, j'ai l'impression. Enfin, j'ai l'impression, c'est sûr. Ok, on est bien. On va chercher nos compétences. Alors, le feu. On va essayer. Ça veut dire que je reviens plus en arrière, par contre. Ça, c'est compliqué aussi. Ouais, si vous mourrez comme ça, moi, ça me dérange pas, hein. Ok, je me suis retrouvé avec ça à la fin, mais on va se débarrasser de ça surtout. Et on va prendre ça, le marteau suspect. Ah là 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 là. Ah oui, vous connaissez Joblin. Joblin et les sticks ont été main dans la main dans l'époque. On pouvait commander un Joblin avec des sticks direct depuis l'appli. Et tout ça, c'est fini. Même les startups les plus audacieux donc c'est plus les sticks. Tout le monde sait que leur cours ne remontera jamais. Ok. Donc déjà, on a une protection en plus. Et on va se payer ça. On verra. Normalement, ça devrait être bon. J'avais pas vu. Mince. Lâche l'arme. Ça, par exemple, ça, j'étais pas au courant que cette arme-là, elle faisait ça. Je suis pas très content de moi-même. On va prendre le rapporteur. Le rapporteur est pas mal. Et on va voir ce qu'il y a dedans. Invulnérabilité. Et là, c'est pas mal. Là, on prend un coup. Électrocution plus l'invulnérabilité. Et à 50-50, je pense. Des deux.
ça, c'est pas mal. Je vais voir si je rajoute de la lumière. Oui, le chacha, on a bientôt fini. Je me suis électrocuté à cause d'eux là. C'est un truc de ouf. Qu'est-ce qui se passe? Heureusement que j'ai demandé mon spicy latte Joblin. Les chauves-souris qui meurent salement. On va prendre le. Il est comment le boss ici? Insupportable. Un vrai gamin si tu veux mon avis. Mais il doit quand même être bon à quelque chose vu tous les sticks qu'il a empochés. Le chat, s'il te plaît, arrête de t'énerver sur les matériels. Je crois que le stick là n'avait aucune valeur. Autant auquel il le mine, il en a aucune. Mais le boss est assis sur une montagne de sticks, littéralement parfois. Il lui arrive de nager dedans aussi. On achète. On achète, je sais pas ce qu'il y a dedans. Donc on s'en fiche, on achète. Voilà, apparemment ça m'a speedé, donc j'imagine que c'était un truc de speed. Oh, il y a le feu. J'ai oublié que j'avais fait le feu. J'ai perdu mon rapporteur, n'empêche. Voilà. Hop. J'ai plus d'armes. Wow. Bah dis donc, c'est compliqué. J'ai perdu mes armes, je sais pas comment. Écoutez les mecs brûlés, hein. Dans le dos. Bon, ça c'était pas mal. Là il y a un truc de cubicule là-haut. De la thune et le Rubik's Cube de Félix, mais je sais pas ce que c'est, donc on va pas le prendre. Allez, c'est parti. Amusez-vous bien, les gens. En fait, j'ai pris ça exprès pour le boss, mais ça me je l'utilise bien, je pense. Purée. C'est le rapporteur, il se casse vite. Ah, mais c'est vrai que j'ai ça. Je l'ai évité et je l'ai eu. Ok. Compliqué. Compliqué, compliqué, compliqué. Il me faut ça. Oh, je n'aurais pas. Oui, bah le chat, 2 minutes. Je vais tout ouvrir dans 2 minutes. 2 minutes. L'internet des objets à votre service, ça peut être bien. Attends, 2 minutes. Je t'ouvre. Oh, le chat qui s'énerve. Et je vais finir d'ici peu. Parce que c'est l'heure bientôt de donner à manger. Je finis juste bah, ce passage-là. Si on réussit, si on réussit pas. Et après, c'est Phoenix. Parce qu'il va falloir que je fasse un café pour me remotiver à faire du JDR. Les compétences d'abord. La critique. On va aller voir la malédiction. Bloqué dans votre tête. Ouais, d'accord. Mais je peux pas en fait. Déjà que je sais même pas si j'ai fait un bon choix là à prendre. Je sais pas. On verra. Bon, ça m'intéresse pas. Et du coup, on est parti. Je peux utiliser les échelles, je pense que je vais les utiliser. Je trouve que c'est pas suffisant.
Là, c'est pas mal. J'ai pas suffisamment de vie, par contre. Ça, ça me désole. Il est mort tout seul. Oui, il s'est tapé par quelqu'un d'autre. Le marteau suspect, je vais pas le prendre. Mais il m'embête. Il m'embête. Ah, il y a la Stratocaster, là. C'est un bon moyen de défense, j'avoue. On va prendre la Stratocaster pour ça. Et la masse. Au milieu. Des explosions là-bas. Oh, c'est un quoi mourir, ça. Ouh là là. Non. Ouh, il y a des choses qui se passent que je ne comprends pas. Je vais mourir. Ah, oh, je l'ai pas vu en plus, je voyais rien. Bon, bah voilà. Wouah. C'était dur. Bon, bah c'était bien. On a bien avancé. Du coup, on fera un Going Under 4 la semaine prochaine, je pense. Alors, pour... on va faire des petits rappels. On va revenir... Il est en train de toujours taper sur son clavier. On va revenir... là, on va juste parler vite fait à Marais et après on va partir chez nous. Comment ça va Marais? Tu me connais baby, je chill. J'ai essayé de mélanger deux parfums de fizzle tout à l'heure mais Fern a débarqué et a pété un plomb. Il a dit que je désacralisais la pureté des arômes. Je crois que j'ai vu des larmes dans ses yeux. Ouais, c'est noté. Ok, super. C'était une bonne discussion. On va rentrer chez nous. Et on va finir de ça, sur ça. Pendant que je corrige. Voilà. Donc on peut interagir. Oh bah, j'ai la con. J'ai débloqué des trucs. La dragueuse et la contractuelle. C'est quoi la dragueuse? C'est juste parce que je suis habillé avec le truc de. Et là c'est la contractuelle, c'est genre. Je travaille à Jeublin quoi. C'est rigolo. Et ça c'est juste. En fait j'ai fini. Ouais, du coup. Il y a autant de. Il y a 11 niveaux hein. Je croyais que c'était fini après, mais en fait, non. On va prendre la contraction. Et voilà, vous vous rappelez de comment on a commencé avec le... Voilà. Alors, petite peau. Je vais vous remettre tout comme c'était. D'abord. Je vais pas bouger ça. Je vais juste faire ça. Transformer et adapter à l'écran. Voilà. La cam c'est bon et les infos hop transformer adapter voilà et le mur pareil voilà voilà donc petit rappel de ce qu'on a fait. On a fait pas mal de choses. On a réussi à faire le deuxième niveau, tranquille. Le troisième niveau, tranquille. On a débloqué pas mal de choses. Troisième niveau, on y est allé tranquille. Non, mais c'est un peu dommage parce qu'en fait, je suis un peu dégoûté. Le fait qu'on ait... fini... on est allé jusqu'au boss. Mais on n'a pas pu aller jusqu'au bout et de finir le truc et de gagner. Donc je vous rappelle que ce week-end, enfin ce week-end, c'est la semaine prochaine, on continue du coup chronologie, je vous montre, regardez. Ça c'est pour les infos, chronologie des femmes artistes le jeudi à 21h, ainsi que le cheat stream, donc du coup qui sera de retour à 14h le dimanche prochain aussi. Pour jouer à Going Under, et on va jouer à Going Under 4, du coup. Et on va essayer de finir, du coup, la semaine prochaine, le troisième donjon. Voilà, voilà. Chronologie des femmes artistes, on en est au 26. Il y a exactement 14 épisodes qui sont sortis sur la chaîne YouTube, donc je vais vous partager là tout de suite. Hop. Il y a aussi Pikuniku qui est sorti le premier aujourd'hui. Faut que je finisse la miniature, j'ai oublié de le faire. Donc voilà, je vais le faire. Si vous voulez nous retrouver d'ailleurs aussi jeudi prochain pour pouvoir faire la chronologie des femmes artistes et sur Twitter, ce sera aussi sur Twitter parce qu'on va faire des mises à jour là-bas.
Voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Petit cancan qui est continu. Alors, je pense qu'on aura une surprise ce mardi prochain de qui fait qu'est-ce qu'elle va nous proposer. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous proposer d'autre comme chose à regarder, à faire? N'hésitez pas. Oui, faut pas oublier. À chaque fois, j'oublie, mais. Si jamais vous voulez partager et nous aider avec un peu de thunes, n'hésitez pas à faire un don, histoire qu'on puisse rentabiliser un peu le setup. Voilà. Si vous avez besoin de plus de détails d'ailleurs pour le setup, n'hésitez pas aussi à faire tourner. On se retrouve du coup la semaine prochaine, jeudi prochain. Nous serons du coup le 29 et dimanche le 2. Mais, du coup, le 29 avril, 2 mai. Voilà. Prenez soin de vous, surtout, parce que c'est ce qui est important, je pense. En ce moment, prenez soin des autres. Des bisous, des bisous.